Brick Hardware. Reach New Heights. Journée porte ouverte à EVEC. Réservez votre place et votre bourse d'études à l'université dès maintenant. Service gratuit chez EVEC. 433-9800. Perdre un proche est une épreuve particulièrement difficile et mérite un accompagnement sur mesure basé sur une véritable écoute et une réactivité de chaque instant. C'est pour cela que Valère Undertaker Funeral Services, avec ses 60 ans d'expérience, vous accompagne dans ces moments douloureux. Réactive, notre équipe est à votre écoute 24 heures sur 24. Nous vous garantissons un service professionnel tout en respectant les traditions de chaque famille. Avec nos 8 succursales et 3 chapelles ardentes à travers l'île, on vous assistera dans les plus brefs délais. Valère Undertaker Funeral Services, notre famille. Pour la vôtre, hotline 86-24-7. Zilloa, check ce qui nous est d'un pour toi. Une nouvelle application de Mineuse que tu gagnes un best deal direct le tout portable. Tchou, Marie simple, Marie facile. Passe te commande la nouvelle application et paye online. Ce qui plie top, tu es capable de suivre ta pizza, le pizza tracker pour connaître que tu y étais. Pas dire, pas dire, dans la nouvelle application de Mineuse Pizza Mauritius, le App Store et Google Play. Bienvenue chez I Am Computers. Là, nous avons le plaisir pour présenter un micro en ce moment. Comment je trouve, regarde, il y a un fil là qui est avec moi. Ce micro là, il double deux personnes capables de servir en même temps. Oui, tu es capable de servir directement un portable, que ce soit Android, iPhone, iPad. Il n'y a pas de problème. NRS est une organisation mondiale à but non lucratif qui se consacre à rendre l'accès à Internet accessible à tous, sans distinction de race, d'origine ethnique, de genre, de classe sociale et de nationalité. L'Internet s'est développé si rapidement que des problèmes tels que la corruption et l'abus de pouvoir deviennent inévitables et que l'avis des internautes est ignoré. Faire entendre votre voix est la priorité absolue de NRS. C'est cette base qui nous permettra de surmonter tous les défis. Grâce à nos campagnes de sensibilisation, nous créons un Internet plus sûr, meilleur et plus transparent pour chaque être humain dans le monde. Suivez-nous sur notre site web nrs.help.
Bonsoir et bienvenue dans nos émissions spéciales au cœur de l'info sur Télé+. Ce week-end-là, pour faire exactement 10 ans depuis qu'il Subramanian Kisnen, ex-agent MSM, dans circonscription numéro 8, qui disparaît. Qui par la suite retrouve ce l'écho partiellement calciné dans Karokan, dans Telfermoka. La police qui rapidement conclut, sans même faire l'enquête, qu'il s'était un suicide. Mais directeur poursuite publique qui instituait une enquête judiciaire dans la cour Moka à côté d'une série de révélations. Magistrate Vidya Mungru Jagannath qui soumet son rapport au DPP, mais la presse et le grand public pas qui connaissent jusqu'ici le contenu de ce rapport. Ce vendredi, Radio Plus in obtenir en exclusivité une copie du rapport et nous pour dévoiler autres ben contenu saillant de ce document au cours de cette émission. Jagdish Joypol, bonsoir. Bonsoir Nawaz, tout bon internaute, bonsoir également. L'affaire Kisnen en a aussi ben ramification politique. Ramification et secousse le l'échiquier politique depuis 2 ans. Point culminant, c'est sans doute la démission de Yogita Sowmiladen comme ministre commerce en février 2021 et Yogita Sowmiladen qui prend un congé politique, mais il garde ce siège de député au Parlement, donc comme député circonscription numéro 8, Moka, quartier militaire. L'autre ramification, c'est nomination Simla Kisnen comme constituency clerk donc de Yogita Sowmiladen, mais Mme Kisnen dit jamais ils font tous la paye pour un tel poste, pour une telle fonction qui supposément l'ITIPE assumé. Troisième aspect, c'est Kisnen Papers, nous pas oublier, donc un document qui, d'après l'enquête, d'ailleurs confirmée par la magistrate, qui Subramanian Kisnen, tient dans sa possession sa Kisnen Papers, donc concernant ban dépense élection générale 2019 dans circonscription numéro 8, toujours Moka, quartier militaire. Et quatrième aspect, il concerne money politique, sans doute, Nawaz, parce qu'allocation contrat, alors il paraît fin alloué à certaines compagnies, fictives ou non, alors comme un moyen pour récompenser certains proches qui associés avec le pouvoir ou encore avec certains hommes politiques. Alkiz Ramdin, bonsoir. Bonsoir Nawaz, bonsoir ban internet. Alkiz, vous finissez décortique le rapport de la magistrate Mungru Jagannath et vous dévoile le contenu au grand public ce soir. Nawaz, sa explication, compte rendu en créole de sa rapport qui nous vous fait là, l'y diviser en 4 volets, notamment en premier, thèse suicide qui exclut et vin homicide, c'est-à-dire finena un assassinat. Deuxième volet, c'est constituency clerk de Yogida Sowmiladen, c'est-à-dire emploi fictif de 15 000 roupies. Troisième aspect, c'est Kisnen Papers, soit la fameuse diary à cause de l'eau dépense qui ne fait de l'élection générale 2019 dans circonscription numéro 8 pour le compte des 3 élus du MSM. Et en dernier, l'aspect plus important, Nawaz et ban internaute, le volet des contrats. Procurement, allocation, contrat pendant Covid. Pendant les prochaines heures, nous demandons à tout ban internaute, suivez-nous. Bat zot lisier, pli tigit qui zot capable, parce qu'il nous vous montre zot ben document de sa rapport là, et aussi god zot oreille avec moi, bon pour donner zot une traduction en créole à côté nous vous montre zot sa rapport qui est rédigé par la magistrate Vidya Mungru Jagannath. En studio, nous avons Ramavalaiden, avocat de la famille Kisnen. Ramavalaiden, bonsoir. Bonsoir Nawaz, bonsoir tout le monde. Et Ranjit Joku, ancien inspecteur de la MCIT, Major Crime Investigation Team, la MCIT, qui fait enquête sur la mort de Kisnen. Ranjit Joku, bonsoir. Bonsoir Nawaz, bonsoir tous les internautes. Tout à l'heure, Roshi Badin pour rejoindre nous. Roshi Badin, tu es à l'origine de une révélation en cours de Moka, l'allocation de un contrat public, surtout pendant la période de confinement. D'ailleurs, dans ce rapport, la magistrate Mungru Jagannath consacrait un large volet à procurement. Mais d'abord, Alkiz Ramdin, nous guettons ensemble ce qui rapport magistrat dit le lamo Kisnen et la façon que la police finit faire l'enquête.
Comment vous pouvez constater en même temps à l'écran Nawaz le rapport, la magistrate fait l'historique de sa enquête judiciaire là, qui débutait, nous rappelle, les 4 décembre 2020. Je vous trouvais dans le brief outline, section 3 en bas, et que je vous trouve lié à la fin, qui fait nous payer ce paragraphe là, c'est parce qu'il fait un historique de bonne personne qui déposait en cours. Je vous trouvais avant-dernier paragraphe, une autopsie qui fait exactement ça, qui traitait comme un suicide par la police. Maintenant, nous parlons de la section 5.1 Nawaz, c'est-à-dire rapport de l'enquête de la police. Je vous trouvais à l'écran la section 5.1 magistrate cause l'enquête de la police et dire qui je vous trouvais qui magistrate dire les bonnes notes qui n'a ban élément bien disturbing qui fin soulevé en cours en relation avec incompétence et de manière abominable qui ça l'enquête là qui fait par la police et qui fin dirige la cause initiale de la théorie du suicide. Vous trouvez magistrat Diamofin listé un compte rendu complet, le ban fait, ban évidence, qui type ou alerte n'importe qui enquêteur qui a la possibilité de foul play, mais qui fin blatantly overlook, c'est-à-dire négligé de manière flagrante par la police dans sa case là. Dans maintenant la section 5.N.N, comment je trouve à l'écran, l'écho là tu retrouves allongé de dos et les deux parties brillées, zis devant partie avant qui t'y brillait. Seule manière qui ça possible, c'est soit l'écho là tu déjà un cadavre ou pas de un l'état que tu es capable de mettre diffé l'eau lui-même. La section 5.N.3, le can partiellement brûlé, 5.N.3, comment je peux découvrir à l'écran, le can partiellement brûlé, et deux jours après, un pli l'os parti can qui brûlé. Nous pouvons cause la scène du crime à Telfea Moka. Magistrat dit ça, qui besoin alerte tout enquêteur raisonnable qui fin une tentative pour détruire évidence dans sa case là. Nous allons maintenant la section 5.N.4. Quand la magistrate dit la police tient en possession images CCTV qui montrait qu'il supramaniait qu'il s'en peut quitter le fer, mais pas fini n'a aucune image libérée tel fer. Ça, Tibizin soulève la question lo, qui s'en là inamène l'écho là-bas, c'est-à-dire à tel fer. Magistrat dit ça l'enquête là. Une tombe bien bas de standard, c'est-à-dire un nombre requis qui tu expectes dans un case pareil. Et à côté de la police, il décide pour pas vérifier tout bandes images CCTV en relation avec mouvement Supramania Kislen le 16 octobre 2020. Si témoin 21 tu fais ça pour visionne image le 26 octobre, magistrat dit ces images là tu pour encore disponible et que ça tu pour aide résoudre sa case là. Dans maintenant la section 5.N.5 à l'écran. Magistrat dit la victime tient un papier de l'armée et que selon un témoin, c'était prescription médicale. Mais selon témoin numéro D, c'est-à-dire le docteur Sanassi, qui t'y fait l'autopsie, non y est pas gagné depuis l'armée cadavre qui s'en. Il pas même papier là, ni même l'une question comment bam papier là il disparaît. Section 5.N.6 maintenant, au bas de l'écran, comment je trouve lui, la magistrate dit le défunt qui s'en tient à des téléphones. Seulement, Zis un téléphone il retrouvé lors la scène du crime. Et que là, sans SIM card et même memory card.
Il dit ça élément-là, basé sur les circonstances qui le collègue devrait trouver. Ça, Tibizin soulève ban signaux d'alarme. Section 5.1.7 cause le ciseau. Je vous trouvais qui ciseau qui tirait trouver un spot, c'est-à-dire le lieu du crime, pas appartenir à la victime, selon témoin 11, et tiens à 10 ans le sa ciseau là. Dans la section 5.1 maintenant, point 8. La victime, ce sac à dos, t'y retrouvé 30 mètres avec cadavre là. Et ce sac là, jamais insecure comme exhibit. Section 5.1.9. Magistrat dit incendie initial, qui seulement l'eau en small area, petit petit. Et li paraît, li tienne incendie contrôlé. Section 5.1.10. Rapport forensique qui prêt le 19 janvier 2021. Et que la police t'y informé même jour. Mais la police, jamais il n'a pris ce rapport là. Je te fais aller. La veille qui officier qui ne rédige sa rapport FSL là, vient déposer la cour, c'est-à-dire le 26 juillet 2021. Dans la section 5.1.11. Rapport FSL, de ce côté, c'est le 1er juillet 2021 qui la police invin prend. Alors, qui depuis le 3 mai, rapport là, t'y prêt. Nous arrivons à la section 5.1.12. Comment je trouve à l'écran? 5.1.12. Magistrat cause, la police panzise. Bon, pour faire comparaison, DNA, ban échantillon DNA avec ban suspect potentiel dans sa case là, jusqu'à qui sa ban point là, in soulevé en cours de moka. Juste après, 5.1.13, il y a un téléphone partiellement brûlé qui t'y retrouvé en bas cadavre sous Pramania Kisten, qui t'y envoyé à IT Unit la police pour examiner, au lieu à Voili FSL pour analyse. Sa téléphone là, qui est envoyé seulement après qu'il s'est soulevé de la cour Moka. À ce moment-là, magistrat dit tout évidence forensique qui finit détruire. Section 5.1.14, de la prochaine feuille qui nous a découvert, 5.1.14, tous les deux témoins. 5.N14, comment je trouve lire l'écran, tous les deux témoins, numéro 8 et numéro N, ils confirmaient qu'ils tiennent à papier brûlé de poignée droite l'armée victime. Par contre, témoin D, ils témoignaient qu'il n'y a pas de kit papier depuis ce poignet quand l'écho t'y envoyé pour autopsie. La police n'a pas expliqué papier là quand il disparaît, en scène du crime jusqu'à la table autopsie. Ça plie convaincant parce que poignée là, t'y fermé, serré, jusqu'à magistrat servir à Mola, rigueur motis, c'est-à-dire jusqu'à troisième stase, l'amour. La section 5.1.5, comment je trouve là à l'écran, l'écho t'y envoyé pour l'autopsie à l'hôpital Ditou. La police Pancave expliquait qui fait amener l'écho à l'hôpital Ditou pour l'autopsie, au lieu de l'hôpital Victoria, comme ordonné par témoin numéro 1, docteur Sheila Janki. Maintenant, nous allons la section cause of death. Comment je trouve li au bas de l'écran? La cause of death. Magistrat dit me trouver qu'il a mort de Supramania Kisnen lit de nature homicide, basant l'oban évidence déposée en cours. Li dit me exclure possibilité suicide dans sa cas là. Cause du décès, d'après rapport médico-légal, c'est-à-dire MLR, l'œdème pulmonaire, qui est capable de causer par étranglement ou asphyxie par étouffement. Et n'a beaucoup de raisons fausses dans ce cas-là pour suggérer foul play. Section 5.2.1, je vous trouve à l'écran,
juste au bas, juste après mon highlight là. Concernant déposition FSL, magistrat dit qu'il n'y a aucun signe de concernant déposition FSL, sa officier là dit qu'il n'y a aucun signe de disturbance, c'est-à-dire ben lutte autour du cadavre. Position qui ne retrouve cadavre là, pas consistant avec un dimoun qui peut débattre dans un diffé. Tout débris diffé est concentré à une seule place. Selon officier FSL, soit victime tient conscient, soit mort au moment incendie. 5.D.D au bas de l'écran. Selon officier FSL toujours, c'est un incendie contrôlé et qui bancan tient encore debout. Pena aucun mort traîne cadavre, ça qui veut dire cadavre là il est déposé là-bas et pas au moins deux personnes. Il y a aussi dire c'est deuxième scène du crime selon officier FSL. 5.2.3, je vous trouve à l'écran l'ONP élégant qui t'y remise pour la police, t'y présent dit en présence un full male DNA profile. Ça essentillon DNA là parti match essentillon DNA de la victime, c'est-à-dire Supramanien Kisnen. Section 5.2.4. Tout ça soutenir la conclusion de témoin numéro 8 qui s'appartient scène primaire du crime. En effet, d'après témoin numéro 1, le fait qu'il existe 5.2% de carbone monoxyde tiré trouvé dans 10 ans du défunt veut dire qu'il défunt là participe et respire pendant qu'il tient la diffée, c'est-à-dire lit qui désamour. Section 5.D.5 maintenant. Si nous regardons l'image 5.D.5, le fait qu'il tienne un papier de se lamer et poignet serré, ça veut dire victime là, il y a un mot violent et subit. Section 5.2.6. Nous essayons d'attendre un petit peu nos bonnes collègues de la régie qui a provide nous l'image de 5.2.6 jusqu'à qu'ils se retrouvent avec sa bonne image là. Nous, à l'image 5.2.6, magistrat dit pour témoin numéro 1, seule opinion, c'est pas un suicide, mais un homicide. Section 5.2.22 maintenant. Si la régie est capable de faire nous gagner ces images 5.2.22, nous finissons plusieurs sections parce qu'il cause un petit peu le bon point technique, c'est-à-dire bon document A, B, etc. C'est pour ça que nous parlons directement de section 5.2.22. Vous trouvez Highlight Section, toujours en relation à la mort de Supramanien Kisnen. Élection 2019 se dépense. Quand tu allais en Awaz, nous prenons une volée complète de ça. À ce stade-là, dans le rapport, il dit Papoukav écoute la possibilité qu'il a mot tiré lié à la révélation de Kisnen Papers. Et en dernier, c'est-à-dire 5.2.23, même si c'est ban hearsay evidence, Papoukav résette qu'il a mot dans sa cas-là, Kav est lié à ban allocation de contrat. Voilà, donc l'éclair pour ben internaute qui finit de suivre sa exposé d'Alkiz Ramdin, qui finit basé le rapport magistrat Mangrou Jagannat, l'éclair qui Kisnen jamais finit suicidé, c'est un homicide, c'est un crime qui finit commettre. Maintenant, nous écoutons la veuve de Supramanien Kisnen, Simla Kisnen, Pédianou. Zou qui te retrouve l'écho de ce homicier, qui t'est arrivé et qui la police t'y dit, nous écoute Simla Kisnen. Nevea, un policier, j'ai vint direct station. Là, là on a station Moka, on a allé, on prend l'enquête, tout ça. Je dis à mon homicier, il est suicidé. Je dis, non, il n'est pas qu'à suicider. Lui. Mon PPS, c'était mon PPS, comme l'enquête m'a donné là-bas même. Mais dans l'enquête, je dis à mon homicier, il n'est pas pour suicider. Et mon arrestation quartier militaire ici, un CID là-bas, c'est l'India. L'India, mon monsieur est capable de
l'in boit, l'in fume, capable, l'in s'est dans des micomas, l'in est différent, l'in dans canne. Mais moi, je ne peux pas faire l'autopsie. Pas encore faire l'autopsie. Parce que je dis, si l'in fait ça là, pas connaît qui a été l'équerre, l'in car a gagné pour lui faire ça. Mais tout ce trip d'idéo, tout ce trip brûlé, ce figure brûlé net. Voilà, donc ça c'était Simla Kisten. Et là, me demande la régie, montrer qui commentait la magistrate faire le manière, de manière générale, qui la police fin faire ça l'enquête là. Donc nous guette ça à la régie. Donc je vais trouver ces conclusions de la magistrate, lui dire qu'il y trouvait que la façon que la police fait l'enquête, lui vraiment ignoble, lui vraiment répugnant. Et lui dire que la façon que ça l'enquête là il fait fin tellement below standard, et magistrat a écrit ça, it marks a new level of incompetence. La police établit un autre niveau d'incompétence. C'est ben, bien bien faux que magistrat servi et lui dire qu'il est besoin faire remarquer, qu'il est besoin faire sa remarque là pour qu'il dorénavant la police lui pas deal avec Ben Case dans la façon qu'il fin deal à sa case. Donc, a new level of incompetence. Donc, voilà la magistrate Diagonat, sous un mot noir sur blanc, l'eau Sarapola. Rama Valaden, un commentaire. Magistrate, tu as bien faux, ça qui appelle l'incompétence de la police. Maintenant, la question qui est posée, est-ce que vraiment la police incompétent? Ou bien, d'après vous, c'est un acte délibéré, fini d'une tentative de cover-up, là, ça qui est ça, d'après vous? Non, pour moi, il est clair. Laisse-moi redire à Dimoun, qui, quand moi, Sanjiv et Anoop Goudari, nous allons ben officier MCIT, en présence de Mme Kisnen, qui bouffonne nous et qui dit nous, les suicides. Et nous, quand nous causons la police, nous visons cause ben section de la police. Là, nous faisons cause ben officier. Qui est responsable MCIT, ouais. Qui est responsable l'enquête à ce moment donné là, quand nous allons les autres, je dis à nous, c'est suicide, nous pouvons perdre les temps, et je peux dire à madame là, vous pouvez le dépenser sous leurs ans, avocat, et madame là dit à autres, avocat, c'est un avocat qui peut paraître pour nous volontaire. C'est là la genèse même commence à créer ce que nous pouvons après Avengers. Mais pour moi, il n'est pas choquant. Parce que ce dernier temps-là, avant même de ça, moi, je finis de dire qu'il y a un autre escadron de la mort, et cet escadron de la mort-là, puis encore sévère, Djimoun peut trouver, bien, récemment, dans l'affaire de Mamelon, Djimoun trouve lui qui peine aucune enquête dans son démarche, c'est parce qu'il y a interférence, et moi, je dis, je pèse mes mots, moi, cime responsabilité, et il y a interférence gouvernementale du plus haut niveau. Parce qu'il n'a pas oublié l'enquête qui sidetrack quand le Premier ministre Pravin Jagnat dit qu'il ne fait l'enquête et pénal n'en rien. Enfin, non, les choses par rapport à Yogida Sominal. Non, nous pouvons le Yogida Sominal dans un petit moment. Nous sommes bien. Yogida, il ne trouve n'en rien. Et Yogida, donc, exclure. Ça veut dire. Non, il ne trouve n'en rien, il a implication Yogida Sominal. Non, vous n'avez pas Getli en dehors. Il ne trouve. Si un Premier ministre. Il trouve les autres affaires, mais pas trouve son ministre, mais déjà il enquête. Dans ce cas-là, le Premier ministre lui-même, il exclut toute forme de foul play. Pour lui, clair, c'est un case qui suicide, shut and go. Et nous te disons déjà à l'époque, dans ben premier, que le Premier ministre peut donner un message à certains dans la police qu'il nomme lui-même pour ne pas faire l'enquête. Et depuis aujourd'hui, moi dis bien, depuis aujourd'hui, pas ne faire l'enquête. Moi dis où? Brièvement, parce que sinon, je monopolise ce programme-là. Ah, pas de faire nier l'élégant, ce qui nous dans le CSC, nous donne la police. Pas de faire nier les autres témoins qui nous donnent la police qui est émergée dans le case au niveau de l'enquête judiciaire. Pas de faire nier l'appel aux témoins, pas de faire nier. Le 500 000 roupies, c'est qui mettait comme récompense Inferli après réunion qui Avengers tient avec commissaire police d'Alo, M. Servan Singh. Pas de faire nier tout ce qui ne remet dans cas, dans sa case-là, tout ce qui ne remet à la police, aucun l'enquête n'a pas fin faire. Et moi, je dis, ou plus loin,
quand tu prends l'enquête avec Yogida sur Minaden, tu prends l'enquête avec ce téléphone dans sa possession. Et ça, une sortie en cours. C'est pas même affaire qui nous peut dire, qui nous peut faire ce qu'on appelle diffamation. Et nous, déjà, Diali, nous besoin répéter ce qui finit déroulé. Moi, pas parce que scène of crime, des premiers jours qu'ils se trouvent les corps. Et moi, faire vous rappel, nous, 8h28, ça vendredi 2 ans de cela-là. Un monsieur, Livin témoin, ça même du monde qui dit trouve les corps, et son madame trouve les corps, Livin dit qu'il ferme sur la porte et il sentit diffait, il gagne katakata ça son là, et après diffait là arrêté de suite. Donc c'est pour ça que le magistrat vient sa conclusion qu'il peut être un diffait qui circoncis ou soit incalculé pour être restreint. Donc moi, contrôlé, Lydia. Oui, mais donc pour moi, il est clair et net, pour répéter encore, li un cas qui est toléré, qui est conforté, qui ben dix mounes qui ne fait qu'à là, ils gagnent l'ordre politique et ils ont gagné cover-up de la part de la police. Pour dire moi qu'ils nous la police incompétent, moi on n'a pas quoi du tout. Parce qu'ils me croient dans la compétence, la police est une incompétence. Mais dans ce cas-là, prendre depuis la police, et vous connaissez comment était, moi pas écouté. Ma camarade Nirouane fait un travail formidable. Du bureau du DPP. Du bureau du DPP. Formidable. Mais seulement, bizarre qu'on est aussi, qui dans l'enquête judiciaire, avocat, n'a pas gagné tout dossier. Pour moi, nous n'avons aucun dossier. Nous n'avons pas travaillé, c'est que nous, l'enquête. Tous les camarades qui travaillent, et nous portons à ce travail, aussi ceux qui prennent et les autres, mais mon Rediaou encore, sa case-là, c'est un case politique, un assassinat politique, commandité politiquement, et c'est pour ça que moi me dire, tous les autres partis politiques qui écoutent nous aujourd'hui, ils ont besoin de prendre l'engagement qu'ils ont pour faire une enquête et une enquête approfondie avec ces ben outils pour regagner ben images qu'il y a. Un dernier, parce que sinon, on me dire. Vous connaissez nos causes qui les images disparaissent. Oui. C'est CTB, CF City. Bien bon. Granted. Mais on connaît qui nous t'y apply, lettre qui a envoyé au nom d'Avengers par Ruben Mrugapile, co-signé par camarade Sanjeev Tilaglari et les autres, nous faire une demande. Moi, dans la cour, on dit, fais une demande tout de suite à toute la banque qui trouve dans les environs de ce qu'ils nous appellent de la Louise. C'est une dernière place qui, nous, information, dit là-bas. Et la police, camarade Djokou pour choquer. La police, jamais, il n'a contacté ben la banque et ben la banque gardé plus de 3 mois. Je t'attends à remorse pour se dire, ben, c'est fini. Donc, comment nous sommes capables d'accepter et rester impassibles l'aubaine qui chose pareil? Et moi, je vais dire, allez encore, Nawaz, moi, le plus loin, les pas arrête avec Case Kisnen, Case Mouniarak. Nous aurions dit, allez, l'enquête pourrait donner le samedi, là. Case Mouniarak, Case Kanakia, pour ne citer que ça, deux là, sans qu'ils me rentrent dans les autres cases qui nous citaient. Tout ça là démontré clairement qu'il y a un complot politique, et si Dioun pas encore comprend ça, je vois pour comprendre jamais qui fait à maudire flush Jagnat et flush Jagnat. Bon, ça c'est le volet politique. Randy Djokou, dans une longue carrière dans la fosse policière, où il travaille dans MCIT, est-ce qu'il nous a trouvé un magistrat tape faux comme ça, ou la police, que lui cause un new level of incompetence? Première fois, je trouve un mot un peu faux comme ça, mais énorme juge dans certaines cases, que d'une faire remarque que la police finit un manquement du côté de la police. Mais ça banne beaucoup de services dans sa rapport du magistrat. Banne mot très, très faux. Mais vous pensez que la police, ça a besoin d'interpeller tout le monde, pas seulement la police, mais surtout la police. Vous interpellez tout, parce que la police, c'est une institution. Il passe à quelques individus qui peuvent recevoir l'autre. Elle nous a fait beaucoup de choses. Moi, assez l'émen, allons dire comme un journaliste. Ouais, l'émen. Comme un journaliste, je n'ai pas enquêté, je n'ai aucune connaissance de qui manière fait l'enquête, mais mon common sense, dis moi, un policier découvert un cadavre dans Caroucan, partiellement brûlé, trip de haut, etc. Est-ce qu'il est une cause ou correction, si je fais erreur ou corrige moi, comment il a dit le départ qui s'est suicidé? Est-ce qu'il n'est pas un suspect de faroupé quand on trouve un écho dans sa position là? À mon avis, les types commencent l'enquête, l'eau fait appeler, et puis éventuellement, s'il y a un suicide, il y a un suicide. Mais comment il commence le suicide? Et il dit, l'autopsie pas qu'on fait, Madame Christine Bédiaou, l'autopsie pas qu'on fait, il y a une station policière Bédiaou où Michel est suicidé. Mais comment un policier est capable de dire comme ça? Vous pouvez dire, une affaire, c'est une affaire basique.
basic dans instruction book la police diaou qui quand trouve un cadavre ou bien ou trouve une partie ban cadavre ban human remains ban les os humains ou bien crâne humain ou bien n'importe quoi qui partie d'un écho humain quand on trouve ça from the very outset ou bien traité comme un cas de meurtre d'assassinat c'est une affaire basique ça. Ouais, les gens suspectés de foul play dès le départ. Les suspectés de foul play parce que from the very outset les gens ou bien considèrent ça comme une case d'homicide. Ouais. Mais on pas comprendre le qui a fait sa police dans une base pour dire qu'il ouais. est le suicide quand même ce qui me comprend qui pense pas quand même faire l'autopsie l'étant dit à sa madame là. D'après Simna Kisten ce témoignage. Quand même faire l'autopsie. Ouais. L'autopsie engendre beaucoup ben, les autres affaires. L'autopsie apporte qui le médecin, c'est qu'il y trouvait ben, le cause du décès. Il y en a aussi ben, l'examen toxicologique qu'il fait pour guetter, je ne sais pas, finalement, un poison, insecticide, pesticide, ou n'importe qui les autres ben, poisons qui gagnent dans les cours du monde, ou bien avant qu'il commette sa meurtre là, fin drogue. Et tout ça, mais comment on ne comprend pas comment un policier qui est formé pour être policier est capable d'avoir un raisonnement comme ça. Ouais, alors nous sollicitons l'aviation de la police dans tout ça. Je peux trouver à l'écran. Malheureusement, la police fin répond nous l'ON mail qu'ils ont pu trouver à l'écran. Donc, d'après sa mail là. Ah, aussi mail là aussi. Ouais, donc la police peut dire qu'ils n'ont pas pour capable de participer à l'émission et qui donc malheureusement se trouvait nous pas gagner la version de la police. Ça c'est un mail qui le service de presse de la police fin adresse moi personnellement. Une question pour Andy Djoku, un médecin légiste, c'est un item sous la police même non, médecin légiste, oui. Il y a un mot. Médecin légiste, oui. Oui. Et forensic laboratory, longtemps il y a avec la police, là il y a attaché avec PMO. Donc, il y a une institution d'enquête ici, il fait une analyse. Il travaille avec travail la police, il est bien coordonné, parce que c'est eux qui trouvent une preuve scientifique, après ils communiquent avec la police. En majorité, les temps, l'institution, ils travaillent directement la police, ils ont les autres unités, ils ont des départements d'enquête qui donnent ce drapeau, c'est-à-dire toxicologique, comment tu peux causer tout ça là. Oui, forensique, il n'est pas dépendant de la police à cette là. Mais comment vous expliquez ça, qui le docteur Janky, celui qui a le terrain, il fait un bon constat. Docteur Ananda Sanasi, celui qui fait l'autopsie, c'est un différent docteur là. Normalement, d'après nous, tu comprends en cours, c'est que ce docteur qui a le terrain là, il fait un bon examen visuel et l'LM est capable de déterminer qui bonnes circonstances. Parti docteur Shaila Janki qui fait l'autopsie, c'est le docteur Sanasi. Il donne une certaine version, lui, et le docteur Janki donne une certaine version. Et en même temps, Acha Oklou et du FSL, Forensic, ici, il donne une autre version, il trouve tissu carbonisé, ainsi de suite. Mais tout ça, là, c'est un rapport quand je peux faire l'enquête. Il dit pas comme pas elle, je te remets à l'institution d'enquête, là, ça. Il est tout à fait normal, il y a une pratique courante dans la police, que le médecin qui vient sur le lieu, pas nécessairement lui-même qui fait l'autopsie. Il finit, ce qui est non, il fait sa bonne observation. Après, il donne une directive, c'est pas, il amène un cadavre là, qui côté pour amener ça. Qui l'hôpital pour amener ça, soit amener ça quand, de soubien pour amener ça, le cas du tout. Et c'est le chief medical officer qui délègue au end de ban police medical officer pour que ça n'a qu'à pour faire l'autopsie là. Un point d'éclaircissement à Oise, faire là où tu peux dire qui fait tu coordonner cette suicide, c'est-à-dire tu retrouves Petidine dans le corps de Superman Kisten. Non. Non, effectivement, je termine Ramon Valaiden, là où vous faites. Ouais, ouais. Dans ce déposition, le 17 décembre, Dr. Ananda Sanasi dit qu'il retrouve Petidine dans l'écho Supramania Kisnen et qu'il pensait que c'était une overdose de Petidine. C'est ce que Dr. Ananda Sanasi dit de la cour. Oh, sa Petidine, là, c'était quelques jours, quelques semaines avant, il a fait une opération. Et qu'on fait opération, servi Petidine, c'est ce qu'il pensait que c'était une overdose de petit jean. Mais plus tard, il corrige sa version, il dit Aline. Nous, on les retrouve ça, Aline. Nous, on regarde chronologie. Quand il gagne les corps, nous, parce que début octobre, ça, mi-octobre, la police, quand on trouvait le 16 octobre, la police, il finit cause suicide. Ouais. C'est qui docteur Sanasi peut faire.
docteur Sanasi, puis à l'ONDS, on va dire, il peut conforter la police dans ce thèse sans qu'il ne fasse un approfondissement. Partout, il y a une question d'homme. Partout. Quand pour choisir qui fait sortir, pas faire lit dans Candos, vine pour lui. L'autopsie. L'autopsie, ça même une question, ça même un même lien. Mais malheureusement, ouais. Dans l'enquête judiciaire. Alors que tu as une instruction pour faire lit Victoria. Victoria Candos. Oui, et je dis, soi-disant, je vine avec mon challenge encore une fois. Je dis, pas capable de faire Victoria parce que Victoria tient une réparation. Menti. Tu es là. Docteur Passat qui a confirmé, les autres Dimoun qui a confirmé, moi je dis aller au commissaire de police, et je ne reste, tu ne restes tranquille, dans la réunion qui finit là, sa place là, tu finis fonctionnelle. Il finit en interférence. Moi, il y a un policier qui t'y sur place, et ça, ben policier là, well connected avec MSM, qui t'y sur place, c'est autres qui commencent à faire tout qui poupé dans l'enquête. C'est ben policier. Moi, je faire la différence, je dit bien, entre ben policier qui a beaucoup de policier compétent, parce que moi-même, je suis pas un policier, je n'ai pas de sens. Donc, pas une raconte nous histoire, c'est un case politique, et que politique en vie couvert. Si nous pas qu'à faire ça, mais ça, comme nous vînes l'eau, comme il y a l'argent, comme il y a l'autre, tout ça là, magistrat dire, pas possible. Nawaz, n'imagine ça. 5,2% tout seul carbone monoxide. Ben, air passage magistrat là, c'est ça. Du monde pas beau avec ça. Oui, air passage clear. Mais comment capable un dimon qui filme cigarette même oui un dimon qui pollution véhicule oui a gagné là même là nous avec ben filmer qui non moi gagné il ben dire comment un bon filmer là il pas possible il pas possible si nous accepter ça quand nous pouvons un jour le case canarca quand nous pouvons le z case nous pas le trouver qui arrive difficile qu'à Paris après un tel constat sévère vis-à-vis la police qui arrive la police là dit mais qui passait. Je pense. Disons, ça finit la même. Le commissaire de police vient réagir. Tout le monde, la police, il est normal, après sa bonne remarque là. Pour bien un constat, et tirer une leçon de ce qui est une malfaire et qui fait une malfaire. Comment M. Balayden peut dire si je n'ai pas une instruction politique, la police dit elle helpless, comme mon cas dire. Moi, dans la police, mon caractère par l'expérience, tout à fait, la police, c'est une structure pyramidale. Instruction politique qui donnait à un policier. Ou nous connaissons le système, il existait ça? Nous nous trouvons dans ça pendant ça. Moi, je suis ça, c'est ce que je trouve dans l'actualité. Je suis dans une saison, et je suis dans la cour qui. Une saison de police, il dit, il n'est pas capable de prendre parce que. Non, mon frère, c'est Ominaden qui dit ça. Qui n'est pas capable de prendre l'enquête parce qu'il peut causer contre un ministre. Oui, oui. Il peut dire bande d'affaires contre un ministre. Madame Soumanelen, qui cause à lui de la cuisine. Il peut dire amène lui dans la cuisine pour causer à lui. D'accord, donc nous avançons maintenant. Une cause, l'amour, suicide, qui vient rapidement homicide, et magistrat vient démontrer ça clairement dans son rapport. Deuxième volet, Alkiz Ramdine, oui. Le rapport cause le constituency clock, ce qu'ils appellent emploi fictif allégué, présumé. Donc, qui magistrat dit là? Nous découvrons ensemble à l'écran Nawaz que c'est section 6.n qui concerne constituency clock. Magistrat dit, basant le ban document qui nous produit de la cour et même par ban témoignage de témoins numéro 11 et 33 et même les autres témoins, capable et dans une case d'éventuelle offense criminelle contre certaines personnes. Ça, cave également constitué un motif homicide et ban allégation du témoin numéro 11, bien faire l'enquête plus approfondie. Il y a aussi altercation qui ne déroulait d'après témoin numéro 24 entre le défunt et Yogida Sominaden de ce bureau, et aussi intervention violente de ce bodyguard qui menace le défunt. Ça aussi, bien être investigué, faire l'enquête d'après cet aspect-là. Voilà, donc ça c'est l'aspect constituency clock. Là aussi, finit dans l'enquête. Oui, qui finit être rayé par la suite. Mais moi, l'information qui m'a gagné ce matin, le case constituency clock, la police, il fait l'enquête, il avoue le rapport au bureau DPP, mais le bureau DPP renvoie le dossier à la police, il dit qu'il y a un menu de l'aspect encore qui peut bien enquêter. Donc là, l'enquête peut continuer.
est possible nawaz, mais seulement pas oublier qu'à chaque fois, ça l'équipe qui peut enquêter l'eau là, même quand il y a une case devant la cour de pour lui, DPP vient dire, et c'est une phrase lourde, DPP vient dire que la police qui peut faire l'enquête, ça, une policière qui peut faire l'enquête là, peut prendre le bureau DPP pour une ride. Oui, c'est confirmé. Je n'ai pas oublié ça. Donc, encore une fois, pas une ride, ça fait la donne qui ride. Ça ne fait pas là, peut prendre tout ça l'étant là, peut prendre même, peut venir, pas encore faire non, même l'eau, ça case là. Et donc, lui démontrer au niveau du bureau DPP aussi. Et c'est une question, moi, déjà, encore une fois, je cause comme un journaliste, c'est pas aussi difficile. Non, il n'est pas difficile. Faire l'enquête là. Il n'est pas straightforward. Ouais. Et encore une fois, le bureau DPP qui est capable d'être attaqué pour légèreté parce qu'il n'a pas continué peste sa ben officier là pour amener ce qui est bizarre. Ouais, donc là, vous pouvez placer le DPP bon, devant son responsabilité. Devant son responsabilité. D'accord. Parce que nous, Avengers, moi, prends là, tout mon camarade, quantité, nous ne pouvons pas faire des affaires au hasard là-dedans. Ouais. À chaque fois, nous nous tapons. À chaque fois que nous avons l'enquête, nous mettons nos private prosecution, nous disons bonnes affaires, nous donnons l'enquête, nous donnons plaisir à l'enquête. Nous amenons madame là, donne l'enquête. Nous amenons témoins, donne l'enquête. Nous disons qui pas nous donne l'argent. Nous donnons tout, nous donnons la police. La police, c'est bizarre, elle plie vite dans sa case-là, mais Nanié n'a pas fin de faire. D'accord. Bon, ben, internaute connu qui nous sollicite aussi le directeur des poursuites publiques, Maître Certatide Boulel, qui n'a pas souhaité faire de commentaires à ce stade, mais lui promet nous qu'il plie devant lui pour faire un commentaire le case Kisnen. Alors, nous parlons de constituency clerk. Madame Kisnen, Simla Kisnen, peut dire qu'ils n'ont jamais fait ce travail-là. Nous écoutons ce qu'il dit à Alkiz Ramjin. Après l'élection 2019, est-ce que au monsieur Tidiaou pour de nouveau un travail, Yogida pour de nouveau un travail? Oui. Mon monsieur Dama, tu connais, fait une photocopie de mon code d'identité. Littéralement, envoie-lui le Yogida sur portable. Parce que moi, ça m'a fait là, je ne pas trop connu. Là, moi, tu envoies-lui le sur portable. Moi, tu envoies mon photocopie, le. Mon monsieur sur portable, évidemment, est du guide pour faire un travail de MBC. Mais moi, c'est maintenant envoyé mon code d'identité, tout ça, mais finalement, je n'ai pas gagné. Où tu peux le faire de MBC? Évidemment, c'est une bonne place. Une bonne place, là. Pour moi, je ne connais pas. Pour MBC? Oui, oui. C'est moi, évidemment, je peux gagner un travail. Le vidéo guide peut faire un démence travail pour moi, MBC. Pas de récit? Pas de récit, oui. Finalement, il paraît qu'il y a un travail que vous finissez faire seulement, c'est constituency clerk. Oui. Ça n'a pas raconté nous, qui est arrivé dans constituency clerk, là où tu donnes le corps d'identité pour faire MBC. Oui. Ça travaille qui peut dire constituency clerk là, ça n'a même pas entendu. Dans le confinement, tu fais une application côté gouvernement pour gagner un petit argent. Mais comme on a envoyé. Mon application, je dis que je ne suis pas éligible. Mais je ne suis pas cassé la tête. De là, après, là, je dis que je suis mon monsieur, il est dans son compagnon pour lui. Je ne suis pas cassé la tête. Mais là, mon monsieur, tu peux paraître en colère. Mais je ne suis pas connu, il a été blessé. Nous, pour, quand le confinement fini, nous parlons MON pour guetter un coup. Là, quand le confinement est fini, je ne prends pas en compte, je ne casse la tête, tout ça. Là, après, là, quand mon monsieur est décédé, là, après une semaine, là, je me suis dit que je travaille comme constituency clerk pour M. Yogida, qui, comme quoi, tous les mois, je reçois un appel 15 000 roupies. Mais, comme on entendait, je suis choqué, je disais ce travail-là, jamais même entendu ça. Vous connaissez comment faire ce travail-là? Non, je ne connais pas. Jamais même entendu ce travail-là. Mais là, après, là, je connais qui travaille là, comme si vous avez un bureau cap, tout ça. Vous avez un bureau, tout ça? Oui, vous avez un bureau. Vous ne faites pas ça là-haut? Non, non, non. Parce que moi, au fait, moi, je ne suis pas content de travailler, moi. Oui, mais c'est moi, quand mon monsieur, je vais un travail MBC, je dis, il est bon. Un côté gouvernement, ça est bon pour moi. Et 15 000 roupies, jamais vous gagnez? Non, non, jamais vous gagnez. Monsieur, jamais de nous 15 000 roupies? Non, 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 jamais. Si arrivé, Yogida dit, tu peux quitter ça ou monsieur pour donner ou? Qui va expliquer? Ah, mais ben après, mon monsieur n'est plus là, c'est ça.
Parce que mon monsieur, jamais vous faites des affaires comme ça, parce que jamais on donne permission à mon monsieur pour prendre mon casse, même côté la banque, même les affaires, même ça. Mais, parce qu'il n'a pas gagné droit, si mon père travaille avec lui, il faisait demander mon argent pour, directement. Mais il n'est pas capable de mon monsieur. Parce que moi qui fais, soi-disant, moi, je fais ce travail-là. Vous pensez que monsieur n'est pas gagné? Non, non, mon monsieur n'est pas gagné même. Oui. Le similaire qui s'est peut dire qu'il n'a jamais fait un travail de constituency clock, il n'a pas gagné 15 000 roupies et 15 000 roupies versé le compte ministre. Donc, ça qui est bien connu, c'est ça casse là, finale. Le rapport Alkiz cause aussi les fameux Kisnan Papers. Exactement, Namaz, dans le rapport section 6.D, si ben, nous, la régie qui passe nous l'image 6.2.3. Du rapport, d'après lecture de ce document-là, le magistrat dit qu'il paraît que ce document-là est genuine et qu'un ouais. Nombre d'offenses peut-être commettre par Bandimoun mentionné. Oui, c'est une parenthèse, Alkiz, qu'on est cause de Kisnan Papers. Oui. Vous dites cause de ben dépenses électorales qui finit faire. Élection générale 2019. Élection générale 2019 dans circonscription numéro 8. Exactement. C'est-à-dire ben dépenses qui ne fait par les élus du MSM et que supposément ils prennent ben note de sa ouais. Ban. Allez-y. Magistrat dit d'après lecture sa ban document, il paraît que sa ban document là genuine. Il dit et qu'un nombre d'offenses il peut-être commettre par ban 10 moun qui mentionné dans ce même document-là. Il y a des éléments bien inquiétants qui ressortent d'après ce même document-là et d'après témoignages de témoins, c'est enregistrement de ressortissants étrangers comme votants dans circonscription numéro 8, compte paiement pour capable secure, c'est-à-dire garantie ban vote. Et l'argent qui est utilisé comme dépense pendant campagne, incapable dépasse le montant qui est prescrit par la loi. Magistrat dit, moi alors recommande une enquête approfondie pour vérifier si ban offense cave portée contre N ou plusieurs personnes. Sous Representation of People Act ou même Prevention of Corruption Act et Financial and Intelligence Anti-Money Laundering Act, FIAMLA. L'enquête bizarre aussi considérer le fait qu'il s'agit d'un document là qui est pris, qui prend pour la victime et le fait qu'il y tienne information de ban mauvais pratiques reliées à élection générale et lui dire ça capable être un motif du crime. Et là, Ramon Valaiden, magistrat à loin, lui dire qu'il enquête bizarre prend en considération qu'il ben mal donne et lui même pas dire allégué. Lydia Maldon, qui est liée à l'élection générale 2019, fut capable de constituer un motif pour le crime de Kisnan. C'est bien faux, ça. Très, très faux. Parce que, imaginez-vous, nous essayons d'écrire l'histoire au futur antérieur. Si Kisnan est vivant, Kisnan amène sur Kisnan Papers, les déposer dans l'affaire Dayal. Tout vient en bas là-haut. Nous n'est plus un nous premier ministre. Nous n'est plus un à aider les autres là aussi. Tout changé. Donc, est-ce qu'il y a un motif faux? Et bon, après ça, nous avons un coup de ça. Vous pensez qu'il faut éliminer la cause de Tiena, ça va un document. Et ben les affaires au Bangladesh, ou ben ressortissants étrangers, Commonwealth. Il s'est ça pour tester encore. Moi, Tiena, rapport là, ça, ben, je tout connais qui Tiena, ben, papier. De Kisnan Papers. Ouais, moi, au cas où la régie montrait un peu ben Kisnan Papers. Ben reçu, ben notre ouais. Fait de donc, voilà. Si ça capable de défiler à l'écran. Ben, pas si difficile, ou il y a ben reçu là-dedans.
Oui, oui. Qui se n'est pas correct. Mais reçu qui Nawaz, par exemple, il tiré pour faire telles affaires. Ou al get Nawaz, est-ce que tu fais tel récit? L'autre, Rama, est-ce que tu fais tel récit? Djoku, est-ce que tu fais tel récit? Et il y a tout ça là. Et tout ça là montré ben chiffre qui défonce, qui est permis par la loi. Donc, encore une fois, Kisnen Papers, A, le côté de l'aspect financier montré clair qui finit là, mais B, c'est qu'il disparaît dans ce sac et qu'en une cause avec certains camarades, par exemple le leader du Parti travailliste et les autres, c'est l'aspect votant, la liste votant Commonwealth, en particulier ben, qui sortit dans le sous-continent indien, c'est-à-dire l'Inde, Sri Lanka et Bangladesh. Et donc ça, et vous connaissez qu'il y a un affidavit qui finit tiré par Andy Moon, et dans lequel affidavit nous rend public, Avengers rend public dans Meeting Carbone, qui dit à Andy Moon qui joigne lui pour la dernière fois, c'est-à-dire amène lui dans base là, il fait Andy Moon là quitte lui vers, et, c'est-à-dire vers Bakwa Solferino, quitte lui là-bas pour y aller dans base, quand il y a uniquement ban ressortissant indien, après il reprend. Ti ena sa affidavit là et la police encore une fois pas fin faire l'enquête. La police pas fin faire l'enquête. Electoral Supervisory Commission pas faire l'enquête. L'ICAC pas faire l'enquête. Comment l'ICAC pas faire l'enquête lors d'affaires Porsche Monsieur Yogi Dasso Minaden. Tout ça là démontré clairement qui ena un motif et sa motif ça plus grand encore, plus grand qui ben copain copine, plus grand qui tout parce qu'il nous peut cause là changement. Un pays complètement changement de premier ministre. Tout bien fait avec Yassim Otanouin, c'est de dire que la loi pas donne sa pouvoir là pour enquêter et d'étudier la police enquête. Mais normal, mais ça va écrire à la police. D'accord. Et pourtant, mon camarade Lalit, tu allais. Mon camarade Lalit, il a. Résistance et qu'alternative, pardon, on a une tendance. Résistance et qu'alternative, il allait. Pas de là. Voilà, donc Roshi Badin donc, qui fait son arrivée dans le studio et ça tombe bien, nous pouvons faire une pause. Après la pause, nous pouvons aborder le dernier volet très important qui concerne l'allocation de ben contrat public, l'aspect procurement. Juste avant la pause, nous avons un petit teaser, c'est que le magistrat Mangou Jagannath dit que le procurement angle, lit, d'après lui, ça même l'aspect plus important et ça capable de constituer motif plus important pour le crime de Kisnen. Toute l'affaire de procurement d'allocation de contrat public, nous pouvons le tout ça juste après cette pause pub. Donc restez branchés Télé Plus. Brick Hardware. Reach new heights. Journée porte ouverte à EVEC. Réservez votre place et votre bourse d'études à l'université dès maintenant. Service gratuit chez EVEC. 433-9800. Perdre un proche est une épreuve particulièrement difficile et mérite un accompagnement sur mesure basé sur une véritable écoute et une réactivité de chaque instant. C'est pour cela que Valère Undertaker Funeral Services, avec ses 60 ans d'expérience, vous accompagne dans ces moments douloureux. Réactive, notre équipe est à votre écoute 24 heures sur 24. Nous vous garantissons un service professionnel tout en respectant les traditions de chaque famille. Avec nos 8 succursales et 3 chapelles ardentes à travers l'île, on vous assistera dans les plus brefs délais. Valère Undertaker Funeral Services, notre famille. Pour la vôtre, hotline 86 24 7. Ziloa, check ce qui nous est dans pour toi. Une nouvelle application de Mineuse que tu gagnes un best deal direct sur ton portable. Tchou, Marie simple, Marie facile. Passe te commande la nouvelle application et paye online. C'est qui plus top?
de capable suite pizza, le pizza tracker, vous connaissez que qui était. Pas dire, pas dire, dans le nouveau application Domino's Pizza Mauritius, le App Store et Google Play. Bienvenue chez I Am Computers. Là, nous avons le plaisir pour présenter un micro en ce moment. Comment je te trouve? Regarde, il y a un banc de fil là qui est avec moi. Ce micro-là, il double deux personnes capables de servir en même temps. Oui, tu es capable de servir directement un portable, que ce soit Android, iPhone, iPad. Il n'y a pas de problème. NRS est une organisation mondiale à but non lucratif qui se consacre à rendre l'accès à Internet accessible à tous, sans distinction de race, d'origine ethnique, de genre, de classe sociale et de nationalité. L'Internet s'est développé si rapidement que des problèmes tels que la corruption et l'abus de pouvoir deviennent inévitables et que l'avis des internautes est ignoré. Faire entendre votre voix est la priorité absolue de NRS. C'est cette base qui nous permettra de surmonter tous les défis. Grâce à nos campagnes de sensibilisation, nous créons un Internet plus sûr, meilleur et plus transparent pour chaque être humain dans le monde. Suivez-nous sur notre site web nrs.help. Je peux écouter, je peux suivre nos émissions spéciales au cœur de l'info, l'affaire Kisnen et Zodi Téléplus peut dévoiler en exclusivité le contenu du rapport de la magistrate Jagannath. C'est lui-même qui préside les travaux de l'enquête judiciaire de l'affaire Kisnen. Donc nous faisons cause beaucoup ce qui rapport l'a dit à l'amour Kisnen, la façon que la police fait l'enquête, nous cause le volet de constituency clock, emploi fictif allégué, le fin cause law Kisnen Papers. Et là, le dernier volet, très important, Alkiz Ramdin, lui concerne le procurement, allocation de contrats publics. Et là, il y a un protagoniste important, central, l'ancien ministre Yogida Sominaden. Effectivement, Nawaz, ça l'aspect-là, magistrat Vidya Mengru Jagannath tape bien fort. Il commençait à lire en anglais avant Nawaz. Il dit « This is by far the most important aspect of this case as it may constitute the strongest motive for the crime. » Dès loin, c'est l'aspect plus important de sa case-là parce qu'il contenait motif bien fort de sa crime-là. Le magistrat dit « L'Ipan Kav a trop à fond là-dedans. » Je suis un peu réticent à cause de l'ICAC qui désappait enquêté. Mais, les dire, les films trouvent plaisir, aspect dérangeant en relation avec manière procurement in handle de la part de différents ministères et même de la State Trading Corporation. Pour comprendre qui faire ça, l'aspect plus important et que motif crime,
bizin cette relation entre ben différents protagonistes et contrat qui n'a loué par différentes institutions. Nous allons à la section 6.3.D maintenant. Prochaine page, 6.3.2. En gros, magistrat dit Yogida Sominaden, type handle portefeuille ministre commerce. Et STC, Tom Souli. General manager STC, Jonathan Ramasamy, c'est beau-frère Vinayapana. Vinayapana, qui aussi camarade collègue de Yogida Sominaden, magistrat dire lien de Yogida Sominaden et Vinayapana, li clair d'après cette équation personnelle et aussi à travers plusieurs contrats qui Vinayapana t'y gagné. Dans la section 6.3.3, le consultant et marketing manager de Vinayapana, c'était Deepak Bonomali, qui t'y démissionnait de ce travail comme consultant pour Vinayapana vers février 2020. Magistrat dit, mais il tient encore pour recevoir un salaire. Son compagnon, qui décroche gros contrat par la STC, il dit débordant millions de roupies avec paiement en avance pour l'achat d'équipement qui Tibizin délivré quelques mois après, malgré qu'il n'y pas tienna aucune expertise dans le secteur de la santé. Deepak Bonomali, qui peut encore opérer depuis ban bureau de Vinayapana, même si le papier, ce ban compagnie, tienna différent l'adresse. 6.3.4 maintenant, la section 6.3.4, magistrat dit d'après conclusion de ban déposition, ban témoin et évidence le document Yogida Sominaden infer Vinayapana gagne ban contrat là. Alors qui Vinayapana li directement relié à Jonathan Ramasamy. Pour pas créer doute, Vinayapana in fait son employé Deepak Bonomali gagne ban contrat depuis STC sous ce ban compagnie avec l'assistance de son camarade Yogida Sominaden qui est ministre responsable pour la STC. En retour, ban genre, c'est-à-dire kickbacks, ban genre de pot de vin, commission qui accordé à Yogida Sominaden. Paiement illicite. Un de bon exemple, c'est cash qui finit payé à Niti Silek. Sa compagnie là, tient un million de ce compte, même qui son propriétaire, Madame Nekched, parti investi un roupie là-dedans. Li parti paye incorporation compagnie là. Li parti acheter équipement pour nettoyage et li parti al vers qui sous-contracté pour exécuter contrat là. Tout y handle, c'est-à-dire occupé par couple Punit. La section 6.3.5, la 6.3.5, quand nous trouvons in highlight, magistrat dit encore une fois, Yogida Sominaden li la connexion, c'est-à-dire le lien entre Nita Nekched et Vinayapana. Et en dernier, section 6.3.9, si nous sommes capables de gagner lit à l'écran. Magistrat dit tout ça qui est mentionné, et à cause de crédibilité à théorie blackmail par le défunt. Et ça, cave le point central de sa case-là. M'ont recommandé que la police explore sa langue-là en profondeur.
Très bien. Roche-Badin, c'est où qui tu intrigues un peu, ça mène une révélation là, où tu interroges un peu, ben, témoin dans la cour, et fin fait juste révèle tout ça, mène des affaires là. Et magistrat, donc, il accorde beaucoup de crédibilité à ça, bien sûr. Il y a une évidence qui finit produire. Quand vous avez l'aspect procurement là, Roche-Badin, donc, qui vous commentez, alors, c'est qui magistrat qui écrit? Bon, premièrement, Nawaz, laisse-moi. Djaou, bonsoir. Jagdis, Alkiz, Rama, Ranjit et tout le monde qui nous écoute. Moi aussi, avant qu'il me fasse commenter sur ce rapport-là, qui est un rapport extrêmement damning, j'ai envie, au nom de tout le monde, de souhaiter un joyeux anniversaire à garçon M. Kisnen, aujourd'hui. Il a 18 ans. Ah, ok. Hans Le Kisnen, c'est l'anniversaire aujourd'hui. Mm-hmm. Et je ne veux pas croire dans mon Dieu, ça ne veut pas vous croire, parce qu'il vous obligez de croire dans mon Dieu, parce que c'est un rapport qui commence aujourd'hui, où l'anniversaire de ce garçon-là, quand il a 18 ans. Après, tout ce qui se famine, passer, son maman, oh, lit, etc. Ouais. Et quand on peut passer. Rapport-là, c'est fini, soumet, donc c'est Radio Plus qui gagne ça. Un bon Dieu existait pour qu'il aujourd'hui, vous nous fassiez ce programme-là, on réussit à amener toute sa révélation-là devant la population mauricienne. Et dans des jours, faire des ans, qui sous Bamanien qui s'est disparu. Ou bien dire, moi, l'aspect procurement, laisse-moi dire, bonnes affaires. Depuis le premier jour, toute l'équipe qui travaille, Rama, Ruben, Cliff, tout le monde, camarade qui est là, Anoup, etc., fait un travail formidable. Mais moi, tout le temps, je me disais, depuis le premier jour, mon corps qui est présent devant la cour, premier pour rappeler, bien. Tout le temps, je me disais, qui motive dans sa caisse-là, c'est l'argent. Et c'est sa bande contrat qui a gagné. La motu cause de mafia à plusieurs, à trois niveaux, moi, tu dis. Mm-hmm. Il y a un politicien, il y a un businessman, et au final, il y a un agent politique, et au final, il y a quatre niveaux, parce qu'il finit dans un assassin ici, qui vient tout sa boucle. Ça rapport là, quand vous pouvez lire tout ce que vous pouvez lire aujourd'hui, Alkiz fait un résumé là, ça côté procurement là, il montre où nous a fait clairement, qui vous donne un système qui finit pourri, un système. Aujourd'hui, qui vous continuez dans un pays comme ça, personne ne va pouvoir l'abri. Il montre où la responsabilité est engagée. Nous commençons par le plus haut niveau. Et nous causons l'argent public, là. Nous causons, avant de venir à l'organisation Minaden, qui était ministre, travail qui nous fait une mise en quitter comme ministre allait. Là, aujourd'hui, après ce qui s'est rapproché, il n'a pas gagné droit de rester dans l'Assemblée législative. Là, là. Ça veut dire que c'est démission, là. Il n'a pas gagné droit, mardi, aller dans l'Assemblée, assisé, comme un représentant du peuple, ouais, enfin, quand un magistrat. Légalement, peut-être qu'il n'y a rien qui empêche, mais peut-être sur le plan moral. Mais tous affaires, pas bosse légalement, ça, Nawaz. Et il y a des affaires dans la société, du monde connaît qui veut dire les biens, du monde qui veut dire les mal, du monde connaît qui veut dire droite, du monde connaît qui veut dire travers. Quand on a un magistrat qui fait une enquête judiciaire, et qui nous donne un rapport aussi d'Amingouma. Laisse-moi juste dire où il y a des affaires là-dedans, ou dire moi, si ça, M. Yogida Sominaden, n'a qu'à rendre le Parlement mardi, dans n'importe quelle société qui respectait l'IEM. Mais écoute-moi bien qui m'a dit où là. So the picture that emerged from the deposition of witnesses and documentary evidence is that Yogida Sominaden caused Vinay Apana to obtain contracts. Traduit. Qui vous a compris là-dedans? Ouais, c'est assez clair. Vous... Et dans l'ICAC dans ce pays-là? Alors, vous pouvez continuer. Attends, vous pouvez dire une affaire. Je vais continuer une minute, oui. Parce qu'il est plus important là. Il continue à dire comme ça. Since Vinay Apana is directly related to Jonathan Ramaswamy, in order not to arouse suspicion, Vinay Apana caused his employer, Deepak Bonomalee, to obtain contracts from the STC under the latter's company with assistance of his friend Yogida Sominaden, who is the minister responsible for STC. C'est ça l'autre phrase là. In return, kickbacks were given to Yogida Sominaden. Non, dis-moi sérieusement. Est-ce que vous voulez dire que Bougla a rendu Paul Mamadi et pas Vinzak Nathan, Premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui a accepté de faire comme ça? Ouais. Alors, et là, l'ICAC a un rôle important, l'autre, après sa révélation. Hein. Donc, l'ICAC, nous sollicite l'ICAC pour capable poser certaines questions. Donc, l'ICAC dit qu'il n'est pas pour participer à l'émission. Mais la cellule de communication de la commission anticorruption finit nous un long message et finit de nous certaines informations. Moi, je demande la régie si capable de montrer le message. Alors, l'ICAC peut dire qu'il procurement, c'est un exercice qui est bien exposé à un acte de corruption. Nous connaissons. 49 l'enquête en cours, le procurement qui concerne des milliards de roupies des fonds publics. L'ICAC peut dire que l'enquête peut révéler qui sa exception qui est là sous emergency procurement, il peut être mal utilisé, donc il y a un abus.
au détriment de même procédure normale établie dans le secteur public. Veut dire tous affaires emergency procurement, et ça, l'ICAC lui-même peut reconnaître. Selon l'enquête, peut révéler ça. L'ICAC, il fait plus de 50 corruption prevention reviews dans même public bodies, et il propose même mesures correctives pour limiter risque corruption au niveau procurement. Et l'ICAC peut dire qu'il bientôt il organise une conférence, le procurement, avec participation de institution internationale pour sensibiliser un acteur concerné, le ben best practices. Voilà. Alors, nous ben invité Perrier, moi, c'est mon devoir, dire ce que l'ICAC envoie un message. Donc, vous connaissez, il y a une cause qui dit au gouvernement, il y a une certaine insanité qu'il ne faudrait pas dignifier l'ICAC pour ne pas. Je ne vais pas commenter alors là, parce que l'ICAC, c'est un instrument politique qui est ça. Angus Road, depuis 10 ans, il est là-bas. Maintenant. Nous tous connaissons qui est dans Angus Road. Combien ça fait, mon vin montrer le haut plateau ici. À ce temps-là, vous pouvez être un magistrat. Là, nous ne pouvons pas être une allégation. Nous ne pouvons pas être une affaire qui est une bonne sur l'opinion. C'est une enquête judiciaire initiée par le directeur des poursuites publiques. Il finit de faire l'enquête là-là. L'enquête là, il ne fait pas les judiciaires. Ouais. Magistrat, il donne ce rapport. L'IPJAU, comme ça, in return, kickbacks were given to Yogida Sominaden. Il donne nous l'exemple, il explique les affaires Nitisilek. Il explique où là-dedans, une cause constituency clerk, une cause affaire Kisnen Papers, tout ça là dans sa rapport, sa magistrat là. Il cause affaire élection. Il explique où comment c'est qu'il est arrivé dans l'élection, il est capable, un motif. Avec tout ça, ban casque qu'il mettait, qu'il donnait, la liste Bangladeshi, tout ça, ban d'histoire. Elle racontait tout là-dedans, là, dans sa rapport, ouais. Sa magistrate là. Où trouve Premier ministre là, Blié Yogida Sominaden, c'est un Premier ministre là. Il n'est pas ministre de l'Intérieur. Pas lui qui occupe tout ce qu'il appelle l'ONO dedans le pays, pas de responsabilité ça. Commissaire de police, c'est un report tous les grands matins. Pas sa Premier ministre là. Get ça. Soit les peuples comprennent qu'il peut arriver, ou soit, ou qu'à faire, comment dire, ou pas comprendre rien, et ou pas dire. D'accord. Mais et n'importe, non, attends, mon papa fait politique, là, mon papa explique, ouais. Quoi, nous a fait bien clair le fonctionnement de la société mauricienne. Ouais, nous stick to ben fax, ça, ben commentaire, bien sûr. Nous stick to fax. Alors, Yogida Sominaden, dit bon, qui ben internet connaît, nous fin rodli pendant toute la journée, même jusqu'en début de soirée, les finres injoignables. Il tient pourtant, nous gagnons sa version des faits, mais malheureusement, les finres injoignables. Un petit moment, Rochibadin. Il n'est pas beau dormi, bien sorti là. Supramanien Kisden, là, c'est un autre volet qui m'a pensé bien internet pour intéresser. Des mois avant Solamo, en août 2020, Litizouen, le leader du Parti travailliste et l'ancien Premier ministre Navin Ramoulam, et nous fin interviewer Navin Ramoulam pour demander qui fait Kisden Tizouen ni et qui Kisden Tidiali nous écoute Navin Ramoulam. Docteur Navin Ramoulam, quelques temps avant Solamo, Supramanian Kisden Tizouanou, qui fait les Tizouanou et qui les Tidiaou comme ça? Individuellement, le 4 août 2020, et si vous avez dit qu'un qui vous voyez pour ce nom, c'est là, mais si vous avez dit qu'un et les mines à moi qui n'y passent mon visionnement, parce qu'il entend tellement quelque chose là au moins, qu'il n'est pas si réalisé, mais une fausseté, jusqu'à ce qu'il y ait un autre camarade pour moi, qui a dit non, il y a un docteur Ramoulam. Tu le racontes lui. Le là, il y a un moi. Le là, il commence à raconter moi, mais ça fait extraordinaire. Qui manière la mafia, MSM opéré. Il rencontre moi, Yogida Sominaden, qui dit, lui, il dit moi, hein, qui mène un travail pour comme un groupe mafia, qui m'a donné un contrat, qui m'a sous-contracté de son frère même, et il ne cause pas un million là, hein. Deuxièmement, le ban d'affaires, achat médical, le masque, tout ça, il raconte moi. Et qui m'a fait, dis-moi, ne prends pas de tender, pour effectivement, je ne vais pas gagner la carte de le dis-moi là. Tout ça, il raconte moi. Il demande beaucoup de détails, et il dit à moi, lui-même, lui, je donne un terrain football à Alma pour travail, c'est un contrat pour 5 millions. Mais c'est moi qui dis à lui, la moitié, vous êtes pour jouer là-dedans, ça veut dire 2,5 millions. Après ça, pas de ni casse, on fait dit, comment ça m'aide l'eau, la bande d'affaires, la M là. Il raconte moi qu'il mène prend ID code sur madame, quand il commence à m'aider, vous avez pour faire sur madame une constituency clock, 15 000 roupies par mois, après, jamais vendre donner travail là. Jamais tout ça casse là. Et là, il dit à moi, ce qui plie à pour autant, à ce tel, il raconte moi qu'il mène, qui connaît le coquin élection. Et il raconte moi qu'il mène un pays,
Il domaine chiffré, demain à peu près 1200 Bangladeshi. Qui ne fait zut, lui-même, tu organises le tout. Fait zut, à le voter pas dans une circonscription, dans presque tout circonscription de les coquins. Ça même dit, moulin, le voter plusieurs fois. Et, il nous demande la liste, une certaine la liste, ben, l'usine, quand il pense à ben, Bangladesh, là. Il dit, pas enregistré, mais c'est dans l'usine, il prend d'autres noms. Tout ça, il raconte moi. Et je vous dis, quand vous trouvez, je ne refais ça pas si pointeuse. Vous voyez, il prend sa propre la vie, qui au fait, je vous camoufle un assassinat. Et c'est grave, c'est un assassinat d'un agent principal de Pravin Jagnat, de numéro 8, qui fait les gains élections. Mais je prends sur la vie, et je refais pas ça pointeuse, suicide. Et ce cas, je vous dis, que ça, si finalement, en 2020, mon collègue est décédé à peu des mois à peu près. Ouais, octobre. Après, ça veut dire 2020 même. Je vous dis en 2022. D'abord, il fait l'enquête qu'on retouffe les affaires. Et souvent, peut arriver. Je vous dis, si vous protégez le gouvernement, tout à fait dans le travail. Pas d'aucun problème. Vous. Là, il nous refait quoi? C'est un suicide. Après ça, grâce à mon avocat, comme Rama Valadin et les autres, qui ont découvert, c'est pas un suicide. C'est un assassinat, ou réalisé ou mène ou propre agent, ses faisant assassiné. Ce qu'a je vous dis, ben criminel là encore libre. Imaginez-vous une seule seconde, me dit, imaginez-vous cette affaire. Et dans critique X, dans critique Y, critique moi, critique Y, critique Z. Mais imaginez-vous une affaire si vous n'avez pas fait attention. Ça m'en arrive au pouvoir là. Mais qu'est-ce qu'on va faire là? On a une corde blanche. C'est ça que je vous apprends, Mme Mauricien. Tout ça, une révélation qui s'est fait avec vous. Et si oui. Jamais vous pas la police pas interrogé ou est-ce qu'il pas ou même ou pas déposé dans l'institution? Non, non, parce qu'il n'y a pas de monter de documents, il dit jamais d'ailleurs, il dit bon, pose-moi la question là. Vous allez beaucoup, vous allez prendre la côté. Il dit jamais, on connaît tout ça, demande documents. Je ne vais pas amener parce que je ne suis pas connu bien, là, je suis satisfait, là, je suis genou. Mais mon frère, il y a un document là. Au contraire, je dis, mais quand tu gardes le document là, je dis, mais les garçons sont le tout. Et je dis, devant le dimanche là, qui témoin, je dis, mais vous connaissez mon jeune affaire, M. Christian, les dangereux aux garçons dans le tout. Si banal connaît dans le tout, je fais de manière coquin. Ça m'a fait calculer pour tuer, moi. Je dis, pour coquin document là. Je dis, ça. Mais apparemment, le document là, c'est sur le tout même. Donc, si jamais il ne peut pas faire une déclaration, je ne connais pas le temps. Est-ce que tu as prévu que tu prennes une deuxième rencontre avec vous pour donner un document? Oui, si jamais, oui. Ça, si jamais, c'est mon connu, mais je peux faire un document là. Je ne sais pas quand, et on peut faire tout ce document là. Mais ouais. Après, il n'y a pas de récit. Mais d'après ma révélation, qu'il y a une fait en cours de Moka, Kistin, lui-même, tu gagnes pas mal de contrats, pas un million, même quand probablement tu fais des sous. Ça, il y a ça. Mais après, quand le système mafieux, c'est là, le travail qui est les comment après, je ne peux pas payer lui. Ok. Ouais, comment on dit, c'est qu'il dit à moi, hein, moi, c'est qu'il dit à moi. Il dit, moi, par exemple, devant ce témoin-là, je donne un contrat, fais-le gagner un contrat de 5 millions, mais c'est moi d'y aller la moitié là-dedans, mais ça donne zut. Ça veut dire 2,5 millions. Ça veut dire zut, overestimer le contrat-là pour que je gagne 2,5 millions de commission. C'est qu'il dit. Et là, des ans après, nous pas trouve aucun coupable ni un suspect qui finit arrêté dans sa case là. Oui. Si le poche travail vient au pouvoir, docteur Amoulam, quel engagement on peut prendre l'affaire Christine? Un engagement formel, parce que moi dans le cas, je ne connais pas peut-être, je n'ai pas réalisé, dans le cas mademoiselle Dantier, si vous rappelez ce cas là, moi je relève le case là moi, comme je finis, pouvoir qui faire, nous les justices, nous les connaissons la vérité. Ça te fait une mauvaise case aussi, puis un closure. Moi, tu fais mon expert venir depuis des hauts, moi, hein, parce que si je connais comment travail là, je peux faire. C'est un des problèmes qui nous est là, qui vous a fait mon réforme. Tout peut bâcler en faveur du monde. Mais, pas pour capable, c'est un peu pour qu'il y ait une guilty, pour qu'il y ait une innocence, qui pouvait être une coupable là. Dans ce cas-là aussi, également, au cas de nous garantir. Et vous avez donné un deuxième exemple, l'exemple de Michael Hart. C'est un touriste qui t'aime au Maurice là. Mais ça aussi, moi je fais des moules des vidéos pour être l'enquête. Mais tout le clé là, je ne sais pas qui peut arriver. C'est pas. Et maintenant, que tu es assez confiant qu'ils ont gagné des moules qui ont gagné. Hein. Ou bien dire ça aussi. Ouais. Mais dans tout ça, même qui est ça, c'est ce qu'ils ont dit, pas élucidé. Mais vous voyez, je ne pas oublier, je ne perds l'élection après moi. Mais tout ce monde qui m'a amené pour être l'enquête, tout est une fun ça. Depuis que j'étais là.
Une marque. Tous ces bandes du monde qui nous amènent un expert, ou c'est illucide, banca. Pas facile parce que comment les temps passés. Ouais. Mais le qui s'en, donc, c'est même la police qui pouvait enquêter, même si le gouvernement s'en sort. Non. Ça va beaucoup de nous garantir. On n'est pas tout policier qui va dire qu'il peut rentrer dans sa main de magouille là. Majorité policier fait son travail bien, vous rappelez ça bien, mais c'est moi, il y a un groupe qui ne prend contrôle. On dit, man, vous êtes un tonton Makout, comment tu fais dans ce Haïti? Je tape à tout jeune. Mais ça qui nous a fait attention. Donc, si vous faites l'enquête, vous dites, franchement, si moi, je dis même au là, vous avez fait l'enquête, si vous voyez mes vidéos, pas pour qu'il y ait l'eau là. Parce que je ne bâcle tout dans affaire là. Imaginez, la police dit, oh, c'est un suicide. Quand on fait un assassinat. Mais si la police même peut faire ça, mais qui confiance au président là. Tout le monde est sur la même affaire. Oui, je dis, vous prenez l'engagement, vous prenez une foule enquête comme bizarre. Et pour tout, ben coupable. Ça, mon cas de nous garantir. Voilà, donc Namin Ramoulam qui peut promettre une enquête de l'affaire Kislen. Namin Ramoulam dit que Kislen, c'est lui qui gagne un contrat, mais il n'a pas gagné un casse. Alors, ça, c'est une version qui nous fait aussi tendre de la part de Simla Kislen, la veuve de Sprania Kislen, le neveu de la victime et un sous-ben proche qui s'appelle Sivom Orient. Donc, nous guettons sa petite vidéo de un petit entretien qui a Alkiz Ramjin fin fait avec sa trois personnes-là concernant un contrat qui s'est gagné. Je peux gagner un travail contracté. Je peux gagner. Côté coach, je peux gagner. Et côté district council aussi, je peux gagner. Mais district council, je peux gagner, mais je n'ai pas de pays. Je peux gagner un travail contracté. Je peux gagner. Côté coach, j'ai gagné. Et côté district council aussi, j'ai gagné. Mais district council, j'ai gagné, mais je n'ai pas de pays. Et l'étienne pas mettre un case contre district council au cas. Et je dis à mon coach, j'ai dit, mais tiens, case là, de toute façon, nous pouvons gagner pour l'élection. Là, nous pouvons retourner, nous pouvons payer toi. Mais jusqu'à ce jour-ci, je n'ai pas gagné sur l'argent. Ça, contrat au PDI, là, l'élection 2019, ça. 2019, oui. Le TNN, la pleine nouvelle découverte, oui. Mais. Ben même, tu fais des gains à contrat. Ben même, oui. Mais, de pas de pays. Mais comment vous expliquez ça, que quand y a un gain à contrat de 17 council, vous trouvez beaucoup de la cour, oui. 4,5 millions, 4,6 millions, 2,5 millions. Est-ce qu'une deuxième tour sur un casse là pour rentrer? Jamais m'en trouver. Et si mon monsieur, tu peux gagner tout ça l'argent là. Mais aujourd'hui, moi, tu peux gagner un casse pour moi. Parce que mon reste pour ma maman même. Mais tous les années, nous, tu peux louer la case. 3000 roupies, 4000 roupies. Mais aujourd'hui, moi, tu peux dormir bien. Moi, tu peux dans mon loto, mon grand la case. Mais sans casse, jamais même m'en trouver. Et mon monsieur, les gens disent honnêtement. Mais jamais les lignes demandées, mais je ne sais pas comment les gens sont cas là, pour qui les gens ont donné, je ne sais pas. Tu es au courant que je peux gagner un contrat, district council, Mouka? Oui, ça aussi, il n'y a pas de papier que je vais quitter pour lui, le district council là-bas. Ouais. Et pareil, tu peux gagner un peu million à un contrat là? Enfin, un million là, je vais en trouver. Le contrat, c'est un million, mais je ne sais pas. Comment vous expliquez ça? Je vais faire les procédures. Je te fais un bidding. Enfin, mais... c'est Tender qui dit, vous voyez. Après, là, je ne sais pas comment ça a déroulé. Moi, je me dis, je vais quitter un bon papier. Moi, je vais quitter le papier, Ben, Marvel Tower, District Council. Mais vous pouvez dire, nous, parfois, tu penses que c'est un gros montant. Enfin, nous allons ensemble. Oui. Nous allons, là, il prend ce casse, comment dire, pour un client. Ouais. Pas 16 millions. Non, millions, non. Mais quand on trouve dans la cour. Mais là, moi, je suis sûr que ça rentre. Ça rentre millions dans la cour, là. Un peu faux. Je me dis que quand tu donnes coup, mais tu vas. Mais ça, même si tu récompenses qu'il donne un coup, mais quand même, tu n'as rien. Mais là, non, rien. T'as vivre. T'as vivre. Mais parce que qui fait un coup qui doit partir, doit partir pour aller. Il y a un débité, pas million, man, hein? Pas pour protéger aucun des gens. Mais si tu vas protéger des gens, tu vas vous raconter.
Tu dis, moi, je vais apporter ce. Ça, tu es un petit content. Mais moi, non, moi, je ne suis pas capable de faire pour le travail de gouvernement. Sous Pramania Kisten, il y a pas mal de contrats. Et il y a un contrat en particulier à Kizramjin, moi, demande la régie montrer ça. Les 11 octobre 2019, Parlement fini dissoudre. Nous rappelle, 11 octobre 2019, Parlement fini dissoudre. Sous Emergency Procurement, feu sous Pramania Kisten gagne un contrat pour drain. Donc, c'est un contrat que le District Council de Moka, qui de Niou, peut trouver. Donc, un contrat. Le Chief Executive. Donc, qui signait, et le contracteur, c'est Kisnen, Al-Kidramjin, c'est un contrat de 11 octobre. Exactement. Qui d'un montant de 2,5 millions, si nous avons remonté le document-là et get la somme qui affichait le document-là, comment je trouve-le, District Council, adressé à Rainbow Construction, c'est-à-dire la compagnie de Supramania Kisnen. Je vous trouve condition contrat-là. Nous continuons... de documents. Comment je trouvais section 8, cause of following document should be deemed to form and read and construed as part of this agreement. Work order là, les datés le 10 octobre 2019, because law applicable laws of the PPA 2006 et regulation 2008. Nous continuons descendre, nous guettons le montant maintenant. Qui a affiché sur le document. Non, ça, c'est la date qu'ils ont peut-être oublié. Le montant, c'est 2,5 millions de roupies, si nous capables de trouver sur ce document. Voilà. Moi, je vais trouver ben, différents... si nous capables de ralentir le slide et que si nous capables de mettre l'encadrement là. Bon, bottom line, dès qu'il gagne un contrat... donc, le 11 octobre, Parlement fini dissoudre. Nous selon nos bonnes recherches qui nous finissent faire aussi, il paraît que ce contrat-là, comment on peut dire, ou même ce contrat-là qui fait après dissolution Parlement, dans la cour, officier procureur, qui vient dire que ce contrat-là est annulé, sauf de dire que la veille nouvelle, 24 décembre, tu payes Supramania Kisnen plus de 700 000 roupies d'avance comme pour ce projet-là, et Zarmine Garakassa. Alors, je ne sais pas, vous avez fait l'enquête, là, tout ça. Et l'adresse se trouvait, c'est la rue Mère-Barthélemy pour lui, c'est l'adresse de la compagnie. Il y a des trois affaires dans ce document-là, où on va le mentionner, Alkiz. Premièrement, c'est l'adresse là-haut, où vous Mère-Barthélemy Street, Port-Louis, c'est l'adresse bâtiment Yogidasho Minaden. Sam Building. Et Sam Building. Alors, quand tu poses question, ce document-là, moi, tu fais produire dans la cour, ça me rappelle, quand tu poses question, là, ça. Représentant district council Mokala, il dit il pas connaît qui fait une envoyé à l'adresse là, il pas connaît comment l'adresse Yogidasho Minaden est rentre dans un système de correspondance, il ouais. Pas comprendre rien et I don't know, I'm not aware. Mais laisse-moi expliquer bien le système là qui était. Vous connaissez, moi quand vous avez fait les clairs pour ben nous dire qui va dérouler, vous du monde comprend bien. Mm-hmm. Élection est déclarée, ouais. Vous êtes dans un politique dans numéro 8, je ne servis qui se donne une compagnie ouais. Pour donner un contrat sous un système emergency procurement quand il n'y a aucun emergency. D'accord ouais. Et quand je donne ce contrat-là, pas un, il y a des contrats qui t'y donnent, qui nous trouvent, qui nous font produire des documents-là dans la et cour. Et l'autre contrat 4 millions, si la régie qui a passé. Et l'autre contrat de 4 millions encore. Ça veut dire que je vais mettre casse dans ce compagnie. Et finalement, ce qu'il va faire, c'est qu'il casse dans ce compagnie pour des affaires électorales. Et comment madame veut dire, et comment tout le monde les autres, ils disent, ils vont trouver un souli. Ouais. Qui veut dire, c'est un système. Contrat le son nom, mais il n'y a pas un casse. Contrat le son nom, compagnie pour lui, l'adresse compagnie, un bouc qui est ministre et qui révine ministre, ce bâtiment d'or pour lui. C'est un qui m'a dit, il faut dire, je ne comprends pas ce qui va dérouler là. Et finalement, dans sa période électorale là, ça va être l'argent qui est rentré, puis servi pour une dépense électorale partie MSM dans numéro 8. Ça qui n'est arrivé là. Et Bougla, il n'y a pas là-dedans, lui, au final. C'est ce compagnie, c'est lui qui m'a conduit pour mettre leurs ans là-dedans et pour servir sa banque casse là. Exactement, casse rentrée, casse sortie. Alors, ça, Bougla, lui, il connaît, lui, qui se donne. Ouais. Qui a une service aux compagnies dans la manière qu'il servit. L'adresse de la compagnie, c'est Mère Barthélemy pour lui. Lui, comme il a mis au pouvoir, tout ce qu'il travaille pour eux. Et ça, c'est un message qu'il m'a envoyé à tout le monde politique qui pensait qu'il commandait un croûte-bout.
Mais comprend qui est capable d'arriver devant, parce qu'il est là, il est dans le road show, parce qu'il est en bas de là. Ouais. Et quand il arrive l'époque Covid en 2020, et quand on peut trouver Lee, Kisten, peut trouver tout ça, man, ami d'enfance de Yogida Shominaden, Nita Natchid, Vina Yapana, et Bono Mali, tout ça, man, j'ai un contrat 300 millions, pour des centaines de millions de roupies à travers Yogida Shominaden, qui ont dit la magistrate, il me dit ou noir sur blanc, l'ON document, qui l'a devant nous tout, parce que in return, pour Niti Silek, il me dit ou comme ça, qui m'aurait dit in return, kickbacks were given to Yogida Shominaden, et lui donne l'exemple de Niti Silek, pas moi qui dis, magistrate qui dit noir sur blanc, mais où comprend qui s'en dit pas le road show casse ici. Et quand qui s'en dit n'allait pour le road show casse, l'in trouvé qui ban la pion betli, et une autre affaire qui... Il y a là les menaces pour dénoncer. Les menaces pour dénoncer. Mais avant ça, laisse-moi faire la population rappeler une affaire qui l'ici, l'in a fait ce tracement. Ouais. Dans ce mailbox, qui se donne ce mailbox, qui la police qui refuse d'enquêter, pose question ça à un policier là, là-bas, il n'y a pas de rentrer dans le mailbox qui se donne dans le case bird. Ouais. On ne peut pas enquêter, qui met l'ingé, l'in, pas enquêter. Nous, nous, dans le travail. Tu peux le nettoyer, hein? Tu peux nettoyer, tu peux mettre nous mettre pen drive pour empêcher qui comment dire, ben ça fait la il a mailing disparaître de son oui, mais nous pas à l'ONTN jet, laisse-moi expliquer où ça bien, nous le trouve qui en avril 2020 qui s'en tu finis faire des mors à travers un supplier pour faire rapide test kits. Ça, à l'époque-là, tu peux causer test PCR dans Maurice. Ouais. Rapide test kits qui nous connaît pour tester Covid. Là, pas tu encore causé. Tu finis faire ça des bosses là avec une compagnie sud-africaine. Et finalement, ou peut causer, mon corps, quand tu fais le compte, Alkiz, pour rappel, tu fais à peu près 4,5 millions de dollars. Vous rappelez ça? Oui, 250 000 test kits, l'eau 18,75 $. Oui, c'est ça le chiffre. Hein, c'est mon mémoire correct. Pas pour faire réel aussi, mais 250 000 par 18,75 $, il vous fait une grosse somme, près 4 millions de dollars. Ouais. Mais basez-nous, quand vous avez un mail qui est envoyé là, vous trouvez un email, il est dans Private Office Premier Ministre. Private Office du Prime Minister's Office. Et ça, madame qui en sort, bon, là, bon return, ça m'est là. Qui Radio Plus, en présence de Saman Mela. Oui. Malheureusement, nous n'avons pas le temps donc, pour scanner ça. Effectivement. Ouais, oui. Donc, ça a déposé la cour et Radio Plus. Et dans sa mail, peut-être après, nous sommes capables de montrer ça. Et dans mail, il n'est qu'à Honorable Pravin. Et non seulement ça, Private Office, Prime Minister's Office répond. Mais là, mon papa cite madame là, ce nom, l'heureuse, mais il tient en sorte, répond et avoue ça, ministère de la Santé, pour l'achat des test kits. Et Yogida Shominaden répond le samedi là, nous avons gagné un mail, Yogida Shominaden a titre de demi. Quand il peut répondre, il peut dire donne-moi spécification test kits. C'est moi qui ai dit que tout ça l'a oublié, ça fait une fin de baiser, ça l'a dans l'institution là. Un ministre peut écrire là, donne-moi ça, et il peut avoue ça quand Jagat parle. Ou non, même mail, il a Sanjivan Permal. Ou non, Jagat Pal, et non, mail, il a le côté, Private Office Premier ministre, ministre Yogida Shominaden, ministre Kobe. Tout ça là, nous ne produit dans la cour là. Ouais. Mais à ce moment, explique où qui est arrivé. Quand il part ici, il trouve Niti Silek, l'autre côté qui peut gagner. Ben, on n'a pas donné sa contrat skits là. Ouais. Il dit, vous gagnez au moins 10-15 millions de roupies là-dedans. Parce que la monnaie qui vient so cher, qui se donne. Qu'est-ce qu'il y a le rodé au ban là? Il veut dire, mais tout ce qui m'ont fait là, mon bout de côté. Ça m'a dit, ou rodé, bout de bizarre, comprend comment les affaires là sont capables de détériorer. Alors, quand il y a le rodé ça, il ne trouvait pas de gagner. Mettre pression, finalement, il y a la guerre dans le bureau Yogida Shominaden, ça a si bonne évidence, il me présentait devant la cour, ce bodyguard, tout ça. Il dit, si je ne suis pas mort, mon bout de graine, je commence à malak. Ça même ça, phrase là, il vient dire ça sur la case avec son famille, avec les autres dimons aussi. Sa phrase est prononcée, n'expliquée pas par un témoin dans la cour. Et quand les affaires là, il parle de ces casse qui disent, qui casse de nous? Je ne dis casse. Un coup, si mon papa fait erreur, en juin 2020, dans la Louise, dans le bureau Michel Apana, donne-lui 200 000 roupies, bon, normalement, donne-lui 200 000 roupies, soi-disant, pas le faire, c'est pas qui compte un slab pour CIB, c'est pas qui ça fait, qui n'aime pas le faire. Magistrat, là, il dit dans ce rapport ici, finalement, ils n'aiment pas le travail, ils n'aiment pas le retour de casse. C'est une question parlementaire, là, aussi. Et nous, tu poses question dans la cour, vous dites, mais demandez, mais qui fait pas le retour de casse? Au fait, c'était une façon, donne-lui 200 000 roupies. Qui bat son coup. Un autre coup, côté Helvetia là-bas. Encore, tu es dans 200 000 roupies qui nous donnent Kisten, qui l'inservit pour y aller payer.
troisième coup, c'était en septembre, ça, non, 2020, Yogida Souminaden admet que nous posons une question dans la cour, qu'il lui donne 50 000 roupies, tu viens de jouer Nico, tu es l'auteur. Là, mais il y a 450 000 roupies qui donnent une question. Mais qui fait mettre de Nikas? Qui fait mettre de Nikas? Alors, ce que vous pouvez trouver, c'est mettre de Nikas 200 000, 200 000, 50 000. Lui, sous expectation, c'est le 18 millions, 15 millions en termes de CR qui lui faisait gagner pour ça. Lui faisait des autres mots pour gagner, des autres commencent à malak. Là, je vous dis que la routine, docteur Nabil Ramoulam, je vous dis que les 4 août pour lui dire tout ça. Mais comprend bien qui peut arriver là. Où est-ce que nous avons pouvoir, qui peut trouver, qui peut gagner dans le jeune, un adversaire politique. NSS au courant, il y a un Ramoulam. Forcément. Ça, moi, je connais NSS au courant, mais si je ne suis pas au courant, je ne suis pas paresseux. Mais. Pas difficile. Je ne suis pas. Mais attends, laisse-moi finir là. Quand il arrive ça, pas oublier ça avec Kisten Papers. Ça, Kisten Papers là, avec tout ça, bande dépense électorale, refreshment, 1,7 million, tout ça là. Ça, document là. Finalement, Kisten a le fait remettre ça, bon, directement, indirectement, au Bruno Lorette. Ouais. Quand il fait donner ça, ça a le fini dans une radio. Oui, avec Marvin Bitten. Avec Marvin Bitten. Qui vient déposer dans la cour. Qui vient déposer dans la cour. Et Marvin Bitten, il a remettre ça au bureau DPP. Ouais. Au directeur des poursuites publiques. Et le représentant du directeur des poursuites publiques qui vient produire l'original de Kisten Papers devant la cour Moka. Ça, dans l'enquête judiciaire, il y a un écran noir chez blanc. Et la magistrat dit dans sa rapport là qu'il y paraît qu'il y a un document genuine. Définitivement, ouais. Mais il est original. Et que ça, ouais. Qui appelle Hans Lesul, là, tu viens de le radio plus. Même pour lui dire, ouais. C'est sur les chrétiens, c'est lui-même qui t'écrète tout ça, pas de dépenses là-dedans, tout validé. Alors, d'un côté, où il y a un agent CFAZON MSM qui n'a pas gagné un casque, qui lui besoin de gagner d'après d'autres systèmes qu'ils ont exploité, ils ont servi. Et c'est ça même qui boucle à dire. Je ne servis moi, je n'exploite moi, je ne besoin de tacas à travers mon compagnie, je ne fais tout ça système-là pour que je casse. Je vais donner un contrat, c'est un petit qui s'appelle Covid BSCAS, je suis copine, je suis ami d'enfance, je toutes les affaires, moi je ne laisse moi le coltor. Et je dis, il y a l'élisement adversaire politique. Et je ne besoin de connaître qui n'a pas l'adversaire politique. Je ne besoin de connaître qui donne sa question de papers là au bout de l'oreille. Et finalement, quand. Dernier jour, quand vous avez un message qui mon client, commandant son minaden, vient révéler, vient montrer, le commandant Petit, il dénonce l'ICAC. Et Bougla Petit, si moi je dénonce l'ICAC, moi je gagne mon casse. D'accord. Et finalement, c'est ça, Zoula, ce tenteur, qui Bougla disparaît. Donc, il s'est bien zéna. Il n'a pas de pas comprendre tout ce qui peut arriver. C'est non, un les, système les faits, les faits sont très clairs, il n'y a aucune ambiguïté quand nous guettons le rapport de la magistrate. Maintenant, mais la question à Mavalaiden, et là, nous pouvons terminer l'émission Lola. L'éclair qui finit tout y Kisten. Et à l'air que nous avons causé, les meurtriers de Kisten, vous êtes libres, vous avez promené. En toute impunité. Des ans, en toute impunité. Des ans après, Panko arrête les meurtriers de Kisten. Et après, dans tout ça, l'aspect de procurement, contrat, et magistrat dit qu'il y a un potentiel délit sous POCA. Et un potentiel délit sous Representation of People Act de cause de Kisten Papers. Mais tout ça, des ans après, nous n'avons pas trouvé aucune enquête. Pendant qu'une arrestation, pendant rien. Moi, la question qui me pose, et nous terminons là, je trouve qu'on a envoyé une lettre DPP hier, Rama Valaiden. Yeah, oui, parce qu'il nous et vous pouvez dire, et vous pouvez dire, qui est là, Benjamin, qui peut get away with murder, conspiracy to defraud, conspiracy to pervert the course of justice, acts of corruption during the lockdown. Alors là, l'enquête vous a fait. Donc, et qui prêchons, qui actions qu'ils pour entreprendre pour qu'il y ait une institution au travail, la police, l'ICAC et les autres institutions. Moi, l'institution, laisse-moi dire, je n'ai aucun espoir. Je n'ai aucun espoir que l'ICAC pour fonctionner. Je n'ai aucun espoir que la police pour fonctionner. Et si le commissaire police il partient à un rapport, et je dis qu'il y a un rapport, quand il connaît qui dit alors sur la police, et bien enquêteur, il est bizarre de dissoudre sa MCIT dans sa forme qui était actuellement. Parce que la MCIT, ils trouvaient, et il est clair d'après le rapport, qu'ils ont une complice avec le régime d'en place, avec Yogida Souminaden, pour ne pas faire l'enquête, toute l'enquête. Donc la seule façon, si les peuples, ce lisier n'a pas ouvert, si les peuples, moi aussi nous dira plusieurs fois, si les peuples, ce lisier n'a pas ouvert, n'a pas mobilisé, n'a pas dit bout de l'eau sur les pieds, n'a pas envie de faire forcing et un sens de moralité, premier test, vous connaissez quand? Premier test, c'est mardi.
est-ce que les peuples là pour accepter qu'ils trouvent Yogida Sorminaden pas donne ce démission d'ici mardi N. Et deuxièmement, s'il vient dans le Parlement, est-ce qu'il nous ben camarades opposants qui veut faire leader de l'opposition ou parlementaire d'opposition accepter qu'il Yogida Sorminaden mette ce pied dans le Parlement et ils ont pas sorti, mais là c'est à mise à faire notre cimé. Et notre cimé, nous vous joignons, nous va mettre qui cimé nous dans le cimé. Vandit Djokou, la police vous a travaillé là. Ou qui fait partie de cette MCA qui là. Quand on parle d'un PDG, vous êtes débanté l'MCA. Vous êtes d'accord avec ça ou une affaire, ça, l'étorgie avec qui la police in fait ça l'enquête là. Nous trouvons une affaire qui magistrat une highlight comment la police, il met ça au lieu de la police est incompétente. Vous connaissez la police. Faut-il fonctionner dans la police pour connaître comment la police travaille. Sa pression qu'il y a, l'urban policier, pour se faire cette enquête, monsieur qui MCIT, il est obligé de faire dans sa façon qu'il opère là, parce qu'il fait besoin de pression. Parce que MCIT, moi, je suis capable de dire où, MCIT pas faire une enquête comme ça. Non, mais oui, pression, ben officier, ben enquêteur, mais le commissaire de police, lui, il y a une poste constitutionnelle. Pour moi, quelqu'un qui a fait pression, il y a le papier, il occupe une poste constitutionnelle, moi d'accord, mais seulement, est-ce qu'il y a une constitution qui a pour lui? Ou bien dépend du Premier ministre par rapport. Non, mais là, nous avons un problème. Si nous ne pouvons pas faire confiance à nos belles institutions, nous avons un gros problème, Radi Djoko. Mais définitivement. Parce que la police, aucune institution ne trouve là-dedans. Aucune institution. Pas fonctionne. Je vous explique une affaire, si vous permettez. Moi, j'ai moins une minute pour expliquer une affaire. Arrêtez d'embêter nous-mêmes. En un service. Arrêtez d'embêter nous-mêmes. Ou dans un système qui ne finit dysfonctionnel. Vous pouvez comprendre qu'il peut y avoir. Tout est à refaire. Vous pouvez comprendre, dans Maurice, 2.0 qui vise à la nouvelle île Maurice. Qu'est-ce que je vous explique? Sa commissaire de police qui vous peut dire, moi, vous pouvez dire, il y a le prend sa responsabilité, elle fait ce travail-là, il vous a rapporté avec sa premier ministre-là. Sa premier ministre-là, il finit de dire, avant que l'enquête judiciaire a commencé, même comment bizarre, qu'il est innocent, Yogida Sorminaden. L'India, où il finit de faire l'enquête-là. Et les gens qui viennent trouver Bouglapé, non, il y a une réponse. Nous tous connaissons qui dit, qui pas dit, noir, cher blanc. Toujours dans l'histoire, connaît, tout le monde connaît, avocat connaît, politicien connaît, tout le monde connaît. Ou dans un système qui finit pourri. Ça garde qui peut faire ça l'enquête là. Moi, ça grêle lui, moi. Moi, ça grêle lui, moi, il connaît lui. Qui est dans qui paye, dans qui ou quoi, il pas trouvé lui. Il trouvait évidence là qui était devant lui. Mais il se l'amène, il pied tout inattassé, il n'y a pas qu'à bouger dans la direction qui est bizarre, bouger lui. Je dis, vous avez qui l'enquête pour faire. Moi, t'en ramoula, mais j'ai fait l'enquête. Qui l'enquête lui pour faire lui? Kessindor, tu parles. L'IPJ n'est pas une bonne question. Ben expert de vidéo. Il y a un système. Tchenbourg, un agent politique qui tient un terrain à l'État dans sa circonscription, dans numéro 5. Et finalement, quand Bougla, tu dis qu'il va un terrain là-bas, il va vendre pour qu'il se fasse. Il met cyanide dans le dipène de Nimanze. Il m'a dit qu'il était en bas MSM. C'est un système pourri dans qui vous pouvez vivre. Vous pouvez comprendre comment c'est un commissaire de police là. Tous les grands matins, il y a ça dans le bureau Premier ministre, ça qui vous pouvez croire. Donc, le même système. Ou système, c'est ça qui peut faire ou comprendre. Tout, c'est ce qui peut expliquer comment, qui nous causait tout le temps. Le système est à refaire et la solution se trouve dans la main des votants du peuple mauricien. Ramapé Djaou, Moshimon Djaou, mardi, Yogida Sorminaden, Rode de Parlement. Laisse-moi dire une affaire. Comprends bien qui nous peut causer là. Bliez sa rapport ou sa magistrate là. Bliez l'enquête judiciaire, bliez tout ce qui nous peut causer là. Est-ce qu'il y a une société qui se respecte? Ou d'accord qu'il y a un bug qui autant involve la dent et morcer tous les jours et qu'un premier ministre dans numéro 8, dans Coville, dans la prière, dans ban fête, dans ban événement, dans ban régional, dans tout ça fait, comme si rien n'était. Et quand on est dans ça, noir, si est blanc, j'ai dit, c'est le judiciaire qui vient dire ça. Et vous dire, moi, comme ça, que sa société-là, il a envie que ses enfants évoluent correctement, pas qu'il paye là par aller, par rentrer dans une espèce de couillonnade. Et tout un système qui ne pourrit, ou la police, ou businessmen, ou l'ICAC, ou premier ministre, ou prime minister's office, ou forensic science laboratory, avec toutes ces histoires, ce qui nous trouvait avec ce police medical officer. Comment un suicide-là, nous venons montrer, mon avocat, il travaille, il montre qu'il est homicide. Mais aujourd'hui, si les peuples parlent, prennent ses responsabilités,
qui c'est là qui parle prendre sa responsabilité là pour les peuples. Oui, mais si ben député ou bizarre ça, si ben député fait mon cas, et son Miladen présent, je pas assisté. Autant le gouvernement a été libre et population pour blâme pour dire pépé jeut parle dans parlement, je peux aussi. Qui l'opposition parlementaire capable faire? Non, mais l'opposition pas capable assise avec un dimon comme ça. Si bizarre l'opposition l'eau ça thème là, l'opposition bizarre démissionner provoque élection générale ou partielle. Mais d'accord, on va pas casser derrière, c'est pas qu'il n'y a pas la mort constitution. Ça ment. C'est un peu bon. Ouais. C'est dans le pays où Djama ou Pépé a lié par la main de constitution. Si on est d'accord là. Mais si le bolchon démissionne, le premier ministre vous demande partiel. Mais c'est le premier ministre. Il n'est pas mis candidat. Il n'est pas sur responsabilité. Oui. Pas capable d'un pays. Combien de partiels nous prenons là? Nous prenons une série de partiels. Oui, mais son Miladen démissionné là aussi, il a fait une partiel. Oui, mais la partiel qui prenons là pour montrer dans le pays, qui de l'atmosphère dans le pays, est-ce qu'il y a un peuple qui tient l'eau sur les pieds, est-ce qu'il y a un peuple qui dort dans la moralité, est-ce qu'il y a un peuple qui contente. Depuis Angus Rodin, il y a où ça le démissionné. Et nous en Astella. Depuis ça l'époque, là, nous en Mouyara Castella. Nous en Kanaka. Nous en encore 9 cases comme ça. Bon, ouais. Ça c'est au niveau de l'aspect. Peut-être une dernière question. Qui fait aucun tout ça dans le scandale, je peux mentionner là, n'en y est pas resté Dilo le Bretonze. Il n'est pas Dilo le Bretonze. L'effet qu'il nous peut faire, lui. Il est un carreau Bretonze. Si nous ne pouvons pas faire travail, là, pas tu connais aujourd'hui. Il n'est pas Dilo le Bretonze. L'opinion peut changer. Mais nous, pays, quand moi, je crois que nous d'accord. Parce qu'il nous paye aujourd'hui, il nous pourrit jusqu'à la moelle. N'a pas couillonne nous-mêmes. Nous pays et nous pays égoïstes. Longtemps, nous tiquons pour nos communautés. Nous tiquons pour nos villages. Aujourd'hui, nous n'est piqué pour nos villages. Nous n'est piqué pour nos communautés. Nous n'est piqué pour nos parents. Nous allons nous propres neveux et nous propres nièces supérer ici. Nous ne vînons personnel. Et si nous ne pas faire un électrochoc, demain, nous pays. Oui, et le groupe Avengers, tu dis, je permets dans ça, mais aussi Badès, je permets un combat. Nous trouvons ça large et sans pitié. Je suis satisfait aujourd'hui avec le rapport. Mais quel résultat combat qui nous a amené, les noirs, les blancs, dans l'enquête judiciaire. Nous ne sommes pas satisfaits jamais. Mais laisse-moi dire une affaire, Jack Dis. Ou bien, ce qui est vraiment Pédiaou, et ce qui nous tous nous connaît dans Maurice, c'est qui est ça. Nous n'arrivons au bout d'un système. Aujourd'hui, tout ça, ben, l'institution qui vous pouvez mentionner là, je ne sais pas si c'est le CAC, la police, etc. Nous connaissons la Banque Centrale, même ça peut arriver. Aujourd'hui, là, vous pouvez trouver avec taux d'intérêt, avec tout ce que vous avez. Mauritius Télécom, c'est ici que vous avez expliqué au plateau là, qui vous pouvez trouver dans Mauritius Télécom. Et à Mauritius, vous pouvez finir de trouver qui n'arrive, qui vous reste pour trouver. Ça, ça fait dans le Parlement qui peut arriver, vous pouvez trouver State Bank, vous pouvez trouver qui peut arriver. Pas pour répondre nous, tout chose, nous, ben, l'institution finie. Là, c'est un moment, moi d'accord, hein, l'opposition vise à démissionner, pas vine cachette derrière les affaires, c'est pas qui constitution, Badinol, pas constitution, badiné, et non, assassin peut mort, c'est d'un pays qui a besoin de nos enfants à Oise, ou est-ce pas pour vous. Monsieur Badin, je vais poser une question, le rapport là même. Oui. Ce rapport là, daté le 22 novembre 2021, tu donneras bureau DPP, une enquête qui bureau DPP instituée, rapport là, retourne, qui se poil légal ça? Mais qu'est-ce ça? Il fait une enquête, mais moi, franchement, avec tous les respects qui m'ont énorme pour tout le monde qui travaille, pour le DPP lui-même, et pour tout le monde qui travaille dans le bureau de DPP, je pense qu'il y a une certaine réticence au niveau du DPP pour le poursuivre ce qui nous a poursuivre dans sa case-là. Je dis où, premièrement, le constituency clock, tout travail qu'il nous fait avec private prosecution là, et la police, une porte de chez l'un, envoyé là-bas, là, où Nawaz Pédiat de chez l'un retourne le côté. Mais vous connaissez, arrive en l'air, que le DPP, ce bureau, vous prenez une décision, c'est pas lui pour initier une public prosecution. Oui, surtout les mentions possible criminal offense. Vous connaissez, maintenant, extra, extra respect pour sa représentant du DPP là, M. Niroy, pour le travail qu'il fait dans sa enquête judiciaire là. Formidable, extraordinaire. Moi-même, mon apprenant, l'immobilier, j'ai eu. Mais aujourd'hui, quand on a un rapport, il vient d'un bureau DPP comme ça, autant d'habits qui ça, depuis quand vous dites, novembre 2021. Un an. Jusqu'à aujourd'hui, pas qu'on mette un public prosecution contre ça, qui involve là, quand il y a un kickback, quand il y a tout ça là. Mais DPP, bizarre, prend les devants. Envers sa bonne institution, comment l'ICA, comment la police, comment Django Constitutional Clock, CID, pour dire, je vais ça, je vais donner un délai, toi, vous, ça rapport là, contre moi, sinon pas, je vais aller, je vais mettre ça pas. Est-ce qu'il y en a un pouvoir? Beaucoup de gens me posent la question. Est-ce qu'il y en a un pouvoir, presse la police, je lui dégage, toi? Pénant, aucun la loi qui dit qu'il n'est pas gagné droit à faire ça. Moi, je vais dire, où est-ce que c'est? Mais il y a une part, c'est vraiment. Mais bizarre faire. Imaginez si le DPP rentre une case devant la Cour suprême, maintenant. Vous l'avez mis de l'autre pays. Bizarre faire ça, je vais faire ça. Vous connaissez qui? L'opposition n'a pas démissionné. DPP n'a pas mis de case la Cour. Les cas qui parlent fait l'enquête. Alors là, si bon. Et là, si bon comprend. Si bon comprend bien, nous termine l'émission là. Donc, ben fait, c'est ben fait. Donc, le rapport qui Radio Plus, c'est une dévoisée en exclusivité. Donc, il est clair qu'il est dans ce rapport là. Et nous devons trouver qu'il y a une institution
paraît-il, pas fait travail, pas fait une enquête. Donc, le seul salut que nous pouvons écouter, nous ben invité là, c'est le bureau du DPP. Donc, nous ben invité peut placer le directeur des poursuites publiques devant ses responsabilités. Ben, nous guetter dans les jours à venir qui le DPP nous fait. Donc, nous terminons l'émission L'OSA Nota. Les Pepsi nous placent les responsabilités. Absolument. Alors, le peuple mauricien. Le peuple mauricien. Du coup, nous avons voté et nous avons connu s'il a envie sans eux ou s'il a envie de continuer pareil. Either you change or you continue with more of the same. Merci Roshi Badin, merci Ranjit Djokou, merci Rama Baladin, Aziz Ramdin et Jagdish Joypol. Un grand merci à Ben Internaute qui fin suivre nous ce soir. Moudiazout, bon week-end et à bientôt. Brick Hardware. Reach new heights. Journée porte ouverte à EVEC. Réservez votre place et votre bourse d'études à l'université dès maintenant. Service gratuit chez EVEC. 433-9800. Perdre un proche est une épreuve particulièrement difficile et mérite un accompagnement sur mesure basé sur une véritable écoute et une réactivité de chaque instant. C'est pour cela que Valère Undertaker Funeral Services, avec ses 60 ans d'expérience, vous accompagne dans ces moments douloureux. Réactive, notre équipe est à votre écoute 24 heures sur 24. Nous vous garantissons un service professionnel tout en respectant les traditions de chaque famille. Avec nos 8 succursales et 3 chapelles ardentes à travers l'île, on vous assistera dans les plus brefs délais. Valère Undertaker Funeral Services, notre famille. Pour la vôtre, hotline 86-24-7. Ziloa, check ce qui nous est dans pour toi. Une nouvelle application de Minos que tu gagnes un best deal direct sur ton portable. Tchou, Marie simple, Marie facile. Passe te commande la nouvelle application et paye online. Ce qui plie top, tu es capable de suivre ton pizza, le pizza tracker pour connaître que tu y étais. Pas dire, pas dire, dans la nouvelle application de Minos Pizza Mauritius, le App Store et Google Play. Bienvenue chez I Am Computers. Là, nous avons le plaisir pour présenter un micro en ce moment. Comment je te trouve? Regarde, il y a un bande de fil là qui est avec moi. Ce micro-là, il double deux personnes capables de servir en même temps. Oui, tu es capable de servir directement un portable, que ce soit Android, iPhone, iPad. Il n'y a pas de problème. NRS.
Voice est une organisation mondiale à but non lucratif qui se consacre à rendre l'accès à Internet accessible à tous, sans distinction de race, d'origine ethnique, de genre, de classe sociale et de nationalité. L'Internet s'est développé si rapidement que des problèmes tels que la corruption et l'abus de pouvoir deviennent inévitables et que l'avis des internautes est ignoré. Faire entendre votre voix est la priorité absolue de NRS. C'est cette base qui nous permettra de surmonter tous les défis. Grâce à nos campagnes de sensibilisation, nous créons un Internet plus sûr, meilleur et plus transparent pour chaque être humain dans le monde. Suivez-nous sur notre site web nrs.help.